Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première concerne un café des sciences, un café de l'espace des sciences, qui aura lieu au café des Champs Libres jeudi prochain, ce jeudi à 18h30. Vous êtes tous invités à vous y rendre. Je pense que le thème vous intéressera, puisque mon ami Nicolas Guillas, qui programme et anime ces cafés des sciences, a décidé cette fois de parler du virus Ebola et faire le point sur cette épidémie qui est un petit peu en régression, tant mieux, avec Christian Michelet, qui est médecin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, avec Clélia Gasquet, qui est géographe de la santé à l'EHSP, au laboratoire ESO, et puis avec Pascaline Legouard, écologue, spécialiste de la dynamique des populations animales au laboratoire EcoBio. C'est donc jeudi à 18h30 au café des Champs Libres, entrée libre. J'espère que vous y serez très nombreux pour poser les questions qui vous intéressent sur ce thème. Et puis l'autre petite annonce que je voulais vous faire aussi, c'est que, on va en parler dans un instant, cette année est l'année 2015 est l'année internationale de la lumière. J'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, mais sachez que c'est aussi l'année internationale des sols. Voilà, c'est une année qui est organisée, par les Nations Unies. Et donc on aura l'occasion d'avoir plusieurs conférences sur ce thème aussi, avec des conférences qui ont été prévues avec nos amis de l'INRA et de divers organismes. J'aurai l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, première conférence sur ce thème, menace mondiale sur les sols, en lien donc avec cette année internationale des sols. Et nous recevrons un monsieur qui s'appelle Dominique Arouès, qui est agronome et pédologue, qui travaille à l'unité InfoSol au département environnement et agronomie à l'INRA d'Orléans et qui est aussi président de l'Association française pour l'étude des sols. Et il y a péril, il faut prendre conscience de ce qui nous menace. Voilà, c'est toujours très intéressant. Alors, rien ne nous menace ce soir avec les lasers, on va voir. Je vais inviter Julien Fade à venir me rejoindre. C'est donc l'année internationale de la lumière. Il est là. Tiens, je vous laisse la place. Merci. Bonsoir. Voilà. C'est l'année internationale de la lumière. Et bien sûr, l'espace des sciences et les mardis de l'espace des sciences sont attentifs à ces années internationales et aux propositions qui lui sont faites par les acteurs locaux, les scientifiques de l'université avec lesquels nous sommes toujours en interaction. Il faut savoir que les scientifiques rennais sont particulièrement formidables parce qu'ils sont extrêmement disponibles quand on le leur demande pour venir à l'espace des sciences, pour organiser des choses avec nous. Vous connaissez peut-être le Festival des sciences, qui est un festival vraiment qui a beaucoup, beaucoup de succès et auquel participent chaque année à peu près 200 chercheurs rennais. Voilà, donc on est donc attentif à ça et plusieurs d'entre vous sont venus nous voir. J'en vois quelques-uns d'ailleurs qui sont ici dans la salle, Maud Guézo, Marc Brunel, etc. Et puis Julien Fade, vous êtes maître de conférence à Rennes 1, à l'Institut de physique. Vous coordonnez au niveau rennais un petit peu les actions qui vont être menées dans le cadre de cette année internationale de la lumière. Vous êtes membre du comité régional pour le projet Breton, c'est un joli nom, Lumineize. Lumineize, voilà. Neize, avec un Z et un H à la fin. Exactement. Voilà. Et donc, je voudrais que vous nous disiez un petit peu, ça veut dire quoi, année internationale de la lumière ? Eh bien, cette année internationale de la lumière, c'est l'occasion de célébrer au niveau international, et puis on va décliner ça en France, et puis en région Bretagne, et même à Rennes, on va décliner ça. L'idée, c'est de célébrer toutes les activités concernant la lumière. Alors c'est évidemment la physique, bien entendu, et on est plusieurs représentés ce soir, physiciens, et ce soir sera une conférence de physique, mais évidemment la lumière ce n'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui est l'interaction avec la biologie, et plus loin, l'industrie, les arts, les sciences, les arts, la production artistique, les peintures, la production picturale, etc. Et donc,
Cette année 2015 célèbre l'année internationale de la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une... On célèbre un bel anniversaire, c'est le millénaire en fait du premier traité d'optique géométrique sur la lumière qui avait été écrit en Irak par Al-Hazen, physicien et scientifique irakien, mésopotamien. Donc voilà, c'était un anniversaire et ça a été donc l'UNESCO et l'ONU qui ont mis en avant la lumière pour cette année 2015 qui succède à l'année de la cristallographie. Mm-hmm. Et donc voilà, cette année, donc pour l'année de la lumière, c'est donc une initiative internationale. Au niveau français, c'est ce que je vais présenter sur ce transparent, c'est coordonné par le CNOP, qui est le Comité National Optique et Photonique, qui recense en fait tous les acteurs industriels et académiques en optique et photonique. Et ce comité national a mis sur pied ce site internet qui recense tous les événements nationaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut filtrer par région. Donc, vous y trouverez toutes les actions qui auront lieu en Bretagne et à Rennes, puisqu'elles sont documentées pour l'instant sur ce site. On peut voir un exemple pour la conférence de ce soir. Donc, je vous invite à le consulter. Vous y trouverez bon nombre de ressources documentaires et un calendrier, l'agenda de toutes ces actions. On va voir peut-être l'agenda. Je ne sais plus où il faut appuyer. Moi, je suis. Alors voilà. Merci. Merci. Merci, Thomas. Donc là, on décline les premières actions qui sont prévues à Rennes. Alors, on est très heureux ce soir d'inaugurer cette année de la lumière à Rennes avec cette conférence de Philippe Balcou sur les lasers de l'extrême, en partenariat, enfin, avec l'Espace des sciences, évidemment. Et puis, vous voyez déjà un certain nombre de dates qui sont prévues. La semaine prochaine. On ne va pas toutes les retenir, mais on les mettra sur notre site. Elles seront sur le site. Et puis sur le site. Sur le site lumière2015.fr, voilà. Vous retrouverez tout ça. Alors, par exemple, la semaine prochaine, au Diapason, donc c'est une conférence de notre laboratoire, l'Institut de physique de Rennes, on accueille au Diapason M. Claude Fabre, professeur au laboratoire Kessler-Bruxelles, qui nous fera un historique de l'étude de la lumière, principalement. Et puis le 3 mars, une conférence à l'Espace des sciences, à nouveau, un mardi soir, de Jacques Livage sur la couleur. Aussi, le 7 avril, Jean Dalibard, académicien. Ah, il y a une erreur sur le slide. Ce ne sera pas les lasers de l'extrême, pardon. Non, il y a une erreur de titre. Ce n'est pas la bonne version. Ça sera plutôt sur les atomes froids contrôlés par la lumière. Et puis, le 8 et 10 avril, deux temps forts au Diapason, donc, par le service culturel de Rennes 1, avec une lecture performance de texte le 8 avril à 12h12, et le 10 avril à 20h, et un concert de l'harmonie Melting Notes sur la thème de la lumière. Plus tard, on retrouvera une conférence à l'IPR sur la détection d'exoplanètes et la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes. Je mentionne un événement plus de la communauté scientifique, mais du 6 au 9 juillet, on accueillera sur le campus de Beaulieu le Grand Congrès National Optique Bretagne 2015, qui regroupera tous les acteurs français de la photonique. Donc on est très fiers de recevoir toute la communauté à Rennes à l'occasion de l'année de la lumière. Et bien sûr, cette liste n'est pas terminée, elle est en cours de construction, avec donc tous mes collègues de l'IPR, de l'INSA, et tous les partenaires bretons qui s'impliquent. Et on sera là, au Village des Sciences, Fête de la Science, et il y a un dossier Sens Ouest aussi qui est en préparation, avec l'Espace des Sciences, bien sûr. Et voilà. Aussi, une belle éclipse de soleil le 20 mars, partielle. Ah oui, mais on la suit, hein. Le 20 mars à 9h23. Voilà. on est au courant et on va la suivre avec attention. Merci. Donc, je vous remercie. Merci Julien. Merci beaucoup. Et puis je vous précise aussi que cette conférence que vous allez pouvoir suivre ce soir est enregistrée par nos amis des films de l'autre côté et puis le CREA de l'université Rennes 2. Donc vous pourrez la revoir sur le site de l'Espace des Sciences. Et là, je suis très heureuse de recevoir un monsieur qui nous vient de Bordeaux. Mais vous savez, il ne peut pas être entièrement mauvais. Il est né à Rennes. Il a vécu un long moment à Rennes. Philippe Balcou, venez vous asseoir. Et je vous dis ça, mais sans qu'il l'entende, je vous dis ça. Il doit être un petit peu impressionné ce soir parce que figurez-vous que c'est la première fois qu'il fait une conférence devant sa maman, qui est là au premier rang ce soir, Madame Balcou, que l'on accueille avec grand plaisir. Alors voilà, on va faire connaissance un petit peu avec vous. Vous êtes physicien, directeur du laboratoire CELIA, ça veut dire Centre Laser Intense et Application. Rien que ça, c'est d'un poétique, je trouve. Vous allez nous expliquer. Hein. À l'Université de Bordeaux, donc c'est une unité mixte.
C'est une unité mixte de recherche et les beautés de notre système français. Donc c'est à la fois un laboratoire de l'Université de Bordeaux, c'est un laboratoire du CNRS et c'est un laboratoire du CEA. Oui, c'est toujours un peu compliqué ces histoires. Hein. Alors, vous avez été un enfant passionné d'astronomie. Astronomie, laser, c'est normal comme évolution ou vous êtes un peu particulier ? Je pense que je ne suis pas particulier du tout. Enfin, l'astronomie a un côté qui est absolument fascinant. Et ça fait beaucoup pour attirer vers les sciences beaucoup de jeunes, et j'en ai fait partie. Mmh. Et puis, quand on grandit, ben, on s'aperçoit que, oui, y a d'autres domaines passionnants dans la recherche contemporaine qu'on peut aussi suivre. Et puis, quelquefois aussi, on peut rencontrer des professeurs qui sont réellement enthousiasmants. Et puis, on se retrouve dans un domaine particulier. Ouais, je le dis à chaque fois, mais je pense que les rencontres avec les professeurs sont particulièrement déterminantes après sur les choix des filières, je pense. Absolument. Bon, j'ai eu un centre de professeurs dans différents domaines, d'ailleurs, mais clairement, M. Gilbert Grimbert ou M. Roger Balian, dans un autre domaine, ont fait énormément pour m'aider à choisir ma voie scientifique. Alors, votre itinéraire, classe préparatoire à Rennes, école polytechnique à Paris-Palaiseau, c'est ça ? DEA de physique quantique à l'école normale supérieure, thèse au CEA de Saclay, c'est ça ? Et alors, vous acceptez volontiers qu'on vous dise héritier des hussards noirs de la République. Alors, tout le monde ne se rappelle pas ce que sont les hussards noirs de la République. Vous nous en dites un mot ? Alors, ça, c'est peut-être que je me suis un petit peu lâché un jour. Non, mais je suis très fier d'appartenir à une famille avec énormément d'enseignants de tous les côtés, en fait, essentiellement. Beaucoup d'instituteurs, et les instituteurs dans nos campagnes en Bretagne, il y a un peu moins d'un siècle, on va dire, enfin, les instituteurs de l'école de la République avaient... L'école du diable. Exactement, c'était l'école du diable. Ils étaient en but aux vexations de l'Église et de l'école privée, enfin, l'école religieuse. Et donc, on les appelait les hussards noirs de la République pour leur action éducative. Avec toujours ce côté noir qui vient de la blouse, la couleur de la blouse des instituteurs de l'époque. Alors, donc j'ai dit que vous étiez physicien. Tout ça. Vous avez été nommé au CNRS en 1993, c'est ça ? Oui, je suis un très mauvais exemple sur plein de choses. Et en particulier, pourquoi ? J'ai été nommé au CNRS sans faire de postdoc, ce qui est totalement une aberration totale aujourd'hui. Mais enfin, même à l'époque, c'était une aberration totale. Ah bon, mais pourquoi ? Parce que le système est tellement limité aujourd'hui qu'avant d'embaucher un jeune chercheur, on va lui demander d'aller passer 2 ans ici, puis 1 an là-bas, puis encore 2 ans quelque part. Et on se retrouve avec des jeunes chercheurs qui ont 32, 33, 34 ans avant de prendre leur premier poste. D'accord. C'est un peu une déviation du système à laquelle j'ai échappé par miracle. Alors après, vous retournez à Palaiseau, en fait, où vous étiez déjà allé, au sein du laboratoire, cette fois d'optique appliquée. Vous allez y passer une dizaine d'années à peu près. Alors non, je n'y étais pas déjà allé. Ah non, je ne sais pas pourquoi j'avais noté. J'avais vu Palaiseau avant. Non, il se trouve que... Ah, l'école polytechnique était... Oui, d'accord. Voilà, c'est d'accord. Ça. Alors, pas le laboratoire, quand même. Non, mais il se trouve qu'une bonne partie de la recherche française, c'est même assez hallucinant quand on voit ça de loin, une bonne partie de la recherche française se trouve concentrée à Paris. Puis à Paris, vous avez vraiment Paris-Centre. Et puis vous avez le sud de Paris, où en l'espace de quelques kilomètres, vous avez un nombre de chercheurs qui est absolument hallucinant. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle de la physique. Et donc oui, j'ai passé environ 9 ans dans un laboratoire qui était un laboratoire de l'école polytechnique, mais aussi un laboratoire de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Vous allez le diriger aussi, ce laboratoire ? Que j'ai dirigé brièvement à l'époque où la directrice du laboratoire a été appelée à d'autres fonctions. Et donc ensuite, c'est là où vous partez dans le Grand Sud, comme vous nous dites, le Grand Sud Bordeaux. c'est quand même pas le vrai Grand Sud. Ah, quand même. C'est un dépaysement total pour un Breton, c'est ça ? Partiellement, ne serait-ce que, enfin, partiellement parce que déjà le climat ressemble pas mal, mine de rien. Enfin, on sent quand même ce climat océanique, donc j'ai pas eu besoin de me réhabituer là-bas. Par contre, c'est vrai qu'à Bordeaux, vous avez 2 saisons. Vous avez le cagnard sur la moitié de l'année et puis la pluie la deuxième moitié de l'année. Vous avez de la pluie aussi, hein, bien sûr. Le laboratoire Célia, c'est vous qui l'avez créé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais vous en êtes le directeur ? Je suis le 3e directeur du laboratoire. Enfin, c'est un laboratoire qui est relativement récent parce qu'il a été créé en 1999. Mais mes 2 prédécesseurs ont eu chacun un mandat de 4 ans. Et là, j'en suis déjà à plus de 8 ans de direction.
Alors donc vous travaillez avec votre équipe à mettre au jour des nouveaux processus, c'est ça, pour créer des lasers de plus en plus rapides, de plus en plus puissants. C'est pour ça qu'on les appelle les lasers de l'extrême? Oui, c'est pour ça, mais là je vais pas rentrer dans les explications parce que c'est ce qui va suivre. Ah bah oui, on compte bien vous écouter. on compte bien vous écouter là-dessus et on compte bien vous poser des questions si on n'a pas tout compris. J'ai vu passer votre PowerPoint tout à l'heure. Il va falloir vous accrocher, hein. Mais normalement, on doit tout avoir compris à la fin de cette conférence. Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous poserez les questions, vous ferez des réclamations. Hein, et puis, on se retrouve donc dans quelques minutes, après avoir découvert tout ce fabuleux monde des lasers, dont vous allez nous rappeler un petit peu l'histoire. L'histoire. Alors, oui, voilà, juste un livre. Alors, je l'ai feuilleté, hein, juste feuilleté. Il s'intitule Une introduction à... Ah, le laser. Tiens, c'est bizarre, ça, comme titre. Le laser. Alors, c'est un livre que vous nous avez, conseillé et qui se trouve, en fait, au troisième étage de la bibliothèque des Champs Libres, hein, le troisième étage consacré plus spécialement aux sciences. Et c'est un livre auquel vous tenez parce que la préface a été écrite par un monsieur dont vous allez nous parler tout à l'heure. Et dans l'avant-propos, il est écrit ceci, 50 ans après leur invention, là ça fait 55 ans maintenant, hein, c'est ça ? Puisque c'était en 2010, hein, les 50 ans des lasers. Les lasers continuent de nous étonner, leurs performances sont toujours plus extraordinaires et le champ de leurs applications ne cesse de s'étendre. Chacun finit par oublier qu'ils sont là, présents dans notre vie quotidienne, tant ils sont devenus des objets familiers. Juste pour dire un mot sur ce livre, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, parce que d'une part, c'est vraiment une introduction quasiment sans équation, qui pourtant vous amène vraiment dans la science la plus contemporaine sur et avec les lasers. La rédaction de ce livre a été un petit peu une aventure humaine très agréable. Il a été édité par deux collègues, Fabien Bretenacker et Nicolas Treps, que j'apprécie beaucoup. En fait, on a été une bonne vingtaine à le rédiger et j'ai le plaisir d'avoir un autre co-auteur du livre qui est à quelques mètres devant moi avec Mehdi. Ah oui, bonsoir. Voilà, bon, eh bien, vous découvrirez ce livre si vous en avez envie, vous pourrez l'emprunter donc à la bibliothèque des Champs Libres, auquel je vais le rendre dès demain parce que je ne vais pas l'apprendre par cœur, non, même si vous me suppliez, et même s'il a l'air très intéressant, d'après ce que vous nous dites. On découvre votre conférence, on découvre ces lasers extrêmes et on en parle ensemble après. Bonne soirée à tous. Bon, alors, j'espère que le son va aller. Donc, merci à tous d'être venus écouter ces divagations, cette promenade scientifique à laquelle je voudrais vous convier sur les lasers intenses, les lasers de l'extrême. Et donc là, je voudrais, dans les trois quarts d'heure en gros là, qui suivent, si j'arrive à tenir le temps, parce qu'il m'arrive d'être très bavard, vous emmener depuis l'ampoule, la bête ampoule, un petit peu comme celle qui est en train de m'éblouir en ce moment, jusqu'à l'astrophysique, puisqu'on j'ai démarré de là et peut-être que je finirai par là, peut-être. Alors, pour parler de laser de l'extrême, ben, je me suis dit qu'il fallait commencer par parler de laser tout court, et donc rappeler déjà ce qu'est un laser, puis progressivement, je vais vous expliquer comment on arrive à construire des installations laser de plus en plus grande taille. Et à partir de ces installations laser, arriver à explorer des états de la matière dans des conditions, enfin, ce sera à vous de juger tout à l'heure, que moi je trouve personnellement inouïes, même si ça fait 25 ans que je travaille dessus. Alors les lasers déjà, le laser c'est de la lumière. Et la lumière, vous aurez des grandes conférences de collègues que je respecte énormément, beaucoup plus savants que moi sur ces aspects. La lumière c'est à la fois une onde, exactement comme une onde électromagnétique, enfin c'est une onde électromagnétique qui oscille assez rapidement, et c'est aussi des photons, c'est les deux à la fois. Alors là, je vais surtout parler avec l'image des photons, et ce qui permet d'introduire vraiment simplement la différence entre de la lumière, j'allais dire usuelle, et la lumière laser. La lumière telle qu'elle sort d'une ampoule à incandescence, en gros, vous imaginez ça comme une série de photons
d'à peu près toutes les couleurs, qui vont à peu près dans tous les sens, à n'importe quel moment. Enfin, en un mot, c'est le bazar total. Bon. Les lasers, à côté de ça, on dit souvent que c'est un faisceau qui a une seule couleur, qui a une seule direction, etc. C'est partiellement vrai, c'est partiellement pas vrai. On peut faire des lasers avec plein de couleurs à la fois. On peut faire des lasers qui vont dans plein de directions à la fois. C'est pas un gros problème. Par contre, il y a une chose qui est vraiment caractéristique sur le laser, c'est qu'il y a une chose vraiment à retenir là-dessus, c'est que le laser, c'est de la lumière ordonnée. C'est des photons qui vont tous ensemble, qui sont tous identiques. Enfin, pas forcément complètement identiques, mais en tout cas, si vous connaissez la position, enfin la position, je vais dire une... Si vous connaissez les caractéristiques d'un morceau d'une impulsion laser, ben vous connaissez toute l'impulsion laser. C'est entièrement prédictible. Pour dire les choses différemment, un laser est à la lumière ce qu'un régiment qui fait de l'ordre serré, de la marche au pas, est à une foule désordonnée. D'accord ? C'est les mêmes personnes, et dans un cas, ça va dans tous les sens, dans l'autre cas, c'est tout le monde à l'ordre de l'adjudant chef. Alors, la question, du coup, devient comment est-ce qu'on peut faire pour ordonner des photons ? Parce que ces photons, c'est pas des choses auxquelles on donne des ordres, comme ça. Et là, pour ça, il faut revenir, pour expliquer ça, à vraiment le mécanisme assez fondamental, mais qui n'a rien de sorcier, vous allez voir, d'interaction entre des photons et des atomes. Donc, un atome, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, on sait que ça a des niveaux d'énergie, ça aime bien être dans un niveau. Alors, il y a le niveau fondamental, le plus bas, et l'atome peut y rester un temps arbitraire. Puis, vous avez un certain nombre de niveaux excités. Quand un atome est dans un niveau excité, il peut se désexciter, retomber sur un niveau bas, par différents mécanismes, mais en particulier en émettant un photon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée, c'est ce que j'ai indiqué ici. Une autre chose que peut faire un atome qui est, par exemple, dans son état le plus bas, c'est d'absorber des photons, auquel cas il va se retrouver dans l'état du haut. Donc là, vous avez deux mécanismes élémentaires d'interaction, qui sont l'absorption et l'émission spontanée, qui sont connus depuis très longtemps. Et puis, il y a un monsieur, au début du XXe siècle, qui a fait remarquer qu'il manquait quelque part un personnage dans l'histoire. Ce monsieur, tout le monde le connaît, parce qu'il a fait des contributions à la physique, mais absolument extraordinaires, c'est Albert Einstein, qui a fait remarquer dans sa période extraordinaire, dans les années 1905, qu'il manquait quelque chose pour réussir à équilibrer, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, les équations, en particulier sur ce qu'on appelle le cœur noir, sur la thermodynamique du rayonnement. Ce mécanisme qui manquait, je l'ai mis ici en rouge, c'est l'émission stimulée. Alors, ça ressemble un petit peu à l'émission spontanée dans la mesure où vous avez besoin d'un... Est-ce que ça marche ? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir mon petit pointeur vert ou pas ? Oui. Alors, là, il est sur le point, à côté du 2. Non ? En fait, il faut que je tremble un petit peu pour que ce soit mieux visible. Si vous prenez un atome, une série d'atomes qui sont dans un état excité, que vous envoyez un certain nombre de photons sur cet atome, ben, l'atome va se désexciter. Mais là où, tout à l'heure, dans l'émission spontanée, le photon était émis n'importe où, et en fait un moment qui est totalement non prédictible, dans ce cas où il est excité par n photons semblables, il va en émettre un n plus unième, donc vous allez avoir à la sortie un n plus unième photon strictement identique au n premier. Donc là vous voyez qu'en fait vous avez une sorte de processus en cascade qui va pouvoir s'établir, il suffit qu'un petit nombre de photons ait la bonne idée d'être ensemble, et hop, ils vont forcer les atomes à côté à émettre des photons qui seront à nouveau tous identiques. Voilà, c'est comme ça qu'on va avoir vraiment cet ordre qui va arriver dans ma population de photons. Alors, maintenant, pour réussir à avoir quelque chose qui soit macroscopiquement visible, ben, il faut quand même que justement ce processus puisse se dérouler dans d'assez bonnes conditions. Pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'atomes qui soient dans un état excité. S'il n'y en a pas assez, bah, le processus dominant qui va se produire si vous envoyez des photons, c'est l'absorption. Les photons vont être bêtement absorbés comme ils le sont toujours. Donc vous avez une compétition entre le mécanisme d'absorption et le mécanisme d'émission stimulée. Compétition qui ne peut tourner à l'avantage de l'émission stimulée que si vous avez suffisamment d'atomes au niveau haut pour commencer. Donc il y a tout un travail pour être capable d'envoyer des photons dans un niveau haut. Il y a un très grand scientifique français qui est Alfred Kastler, qui, vers les années 1950, a vraiment fait une série d'expériences pionnières sur ce domaine qu'on appelle le pompage optique. Et il a eu le prix Nobel en 1966.
Donc, grâce à ces techniques, et puis à des techniques vraiment d'ingénierie, on sait prendre une population d'atomes et les envoyer dans un niveau à partir duquel vous pourrez avoir un phénomène, ce phénomène d'émission spontanée, et donc vous pourrez avoir une émission de type laser. Alors après, bon, les spécialistes auront connu ici la différence entre ce qu'on appelle un laser à 3 niveaux et un laser à 4 niveaux. Là, je passe sur ces entre guillemets détails. Toujours est-il que vous avez l'émission de laser à condition d'avoir suffisamment d'atomes qui sont ici sur ce niveau-là. Donc vous avez une amplification laser dans ces cas-là, dans un milieu qui est raisonnablement bien excité. Donc là, on arrive à une notion qui est essentielle, parce que ça, c'est beaucoup du travail d'un physicien des lasers, c'est la notion d'amplificateur. Vous avez un milieu excité, vous envoyez un faisceau laser dessus, et il ressort plus intense qu'il n'est rentré, en ayant pris de l'énergie, évidemment, qu'on avait déposée dans l'excitation des atomes. Cette notion d'amplificateur laser, j'y reviendrai, parce qu'elle est absolument essentielle dans mon domaine. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il existe, en fait, dans la nature, et je vais commencer tout de suite à parler d'astrophysique, il existe des sortes de lasers naturels qui fonctionnent uniquement sur ce que je viens de vous expliquer. Vous imaginez une sorte de gigantesque boule de gaz sur laquelle la physique atomique, les lasers de la physique atomique font que, par excitations diverses, des atomes sont plutôt dans des états excités. Mais vous allez voir spontanément une sorte de phénomène laser qui va se produire, et ça vous donne un laser astrophysique. C'est rare dans l'univers, mais ça existe. On a mesuré, on a détecté des émissions laser absolument spontanées dans le milieu galactique. Donc, comme quoi, en fait, les hommes n'ont pas forcément complètement inventé le laser. Maintenant, c'est quand même un cas un petit peu extrême. Pour créer un laser, il faut quand même généralement obliger les photons qui ont été émis à revenir pour réinteragir avec le même milieu. Et donc, l'idée est de créer ce que j'appelle une piste de Formule 1 pour les photons. On va forcer les photons à faire toujours le même circuit en passant dans un milieu amplificateur. Pour forcer des photons à faire le même circuit, ce qu'on utilise, c'est des bêtes miroirs. Enfin, des bêtes miroirs ne sont pas si bêtes que ça. Mais bon, on va dire des miroirs adaptés vraiment au rayonnement qu'on souhaite créer. Donc vous mettez des miroirs cœur comme ceci. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une cavité en anneau. L'axe central passe au milieu de ce qu'on appelle le milieu amplificateur, qui est donc la zone qui contient les atomes excités, moyennant quoi le phénomène laser va se déclencher au début sur des photons spontanés qui vont tomber par hasard dans le bon sens, qui vont faire un tour, venir exciter ici, etc. Et vous allez voir un effet laser qui va se produire sur l'ensemble. Il manque une chose pour avoir un laser opérationnel, c'est que là, les photons qui sont en train de tourner dans cette cavité, dans cette piste de Formule 1, il faut quand même de temps en temps qu'on les laisse sortir pour qu'on puisse utiliser le laser. Et donc, quelque part, vous avez toujours un miroir ici qui n'est que partiellement réfléchissant et qu'on utilise comme miroir de sortie et qui va laisser passer une fraction du faisceau qui est en train de tourner dans la cavité. Voilà, ça, c'est le cadre général du laser. Donc, pour récapituler, un laser, c'est un milieu amplificateur avec des atomes ou des molécules, enfin, des choses, on va dire, quantiques, excitées à des niveaux assez élevés. C'est ma piste de Formule 1 sous la forme d'un assemblage de miroirs. Ici, deux miroirs face à face suffisent complètement, ce qu'on appelle un résonateur Fabry-Perot. Un de ces deux miroirs doit avoir une réflectivité inférieure à 1. Et puis, il faut un mécanisme qui va apporter l'énergie au milieu amplificateur, la dite énergie étant ensuite diffusée sous forme de photons, c'est le laser, ou de déperdition thermique. En général, c'est d'ailleurs plutôt de la déperdition thermique. Et moyennant quoi, à la sortie, vous avez un joli faisceau laser qui part dans l'axe de la cavité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un oscillateur laser, quelquefois un laser tout court. Bon, quelques petits exemples. Hein. C'est des figures du fameux livre pour lequel je ne suis pas en train de faire de la publicité. Non. C'est des photos qui ont été prises chez nos collègues du laboratoire de Paris Nord, où vous voyez donc un laser à gaz. C'est toujours très spectaculaire, avec le faisceau, avec un rouge assez caractéristique. Le milieu amplificateur ici, c'est un mélange d'hélium et de néon. La source de pompage chez une petite décharge plasma. Et vous avez les deux miroirs, miroir totalement réfléchissant, le miroir partiellement réfléchissant. Ce schéma-là vous dit exactement ce qui se passe entre dans le mécanisme de pompage, l'électricité qui, en gros, excite les atomes d'hélium qui, par collision, vont transférer leur énergie aux atomes de néon qui, eux, vont laser. Et donc, vous avez ce genre de choses qui sort du laser. Alors, les lasers à gaz, c'est ce qu'on a beaucoup utilisé dans les premières années ou les quelques premières dizaines d'années du laser.
Aujourd'hui, pour l'essentiel, on travaille avec des mini-amplificateurs qui sont des solides, soit des cristaux, soit des verres. Donc, vous imaginez, il y a un des matériaux qu'on utilise le plus, qui s'appelle le titane saphir, ou le saphir pour les dames. C'est le même qu'en joaillerie, mais artificiel et de beaucoup plus grande pureté. Ce cristal, on va lui apporter l'énergie, on va le pomper, moyennant un autre faisceau laser, qui ici est dans le verre, ce qui explique le verre sur cette photo ici. Et ce cristal va être mis entre deux miroirs pour créer le faisceau laser global. Bon, ça, c'est une photo. Vous voyez que dans le monde réel, c'est relativement encombré. Tout ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous avez du vert qui est dû au faisceau de pompage et du rouge orangé qui est dû au faisceau titane saphir. Alors, je ne pouvais pas faire cette conférence aujourd'hui sans parler des quelques paires du laser. Alors, dans les paires du laser, il y en a plusieurs. Bon, il y en a deux russes que je ne mentionnerai pas. Enfin, je peux les mentionner, Brassov et Prokhorov, mais je n'en dirai pas plus. Même s'il se trouve que j'ai rencontré Prokhorov, à l'époque où j'étais un petit doctorant dans un coin de laboratoire qui m'a totalement ignoré. Ce qui est plus important ici, c'est de se concentrer sur la figure là. Donc, spirituellement, le père du laser dont je vous parlerai aussi à la fin, pour moi, c'est très largement Charles Townes, qui est la personne qui a lancé le prédécesseur du laser, donc un peu comme un laser, mais dans des longueurs d'onde un peu plus grandes, qu'on appelait le maser, et qui a fait le papier théorique, qui a prédit le laser en 58. Charles Townes est né en 1915. À l'époque où j'ai fait ce transparent, je ne savais pas encore qu'il allait décéder en 2015. Charleston est décédé jeudi dernier, à l'âge de 99 ans. Donc, ce serait prétentieux de dire que je lui dédie cette conférence, mais bon, en tout cas, on pense très fort à lui. Charles Townes a inspiré beaucoup de physiciens américains, certains de mes proches collègues, et je connais très très bien les collègues de Floride qui ont construit une école, School of Photonics, dédiée à Charles Townes. Maintenant, Charles Townes, dans la préface du livre, raconte qu'en fait, il lui a manqué l'étape cruciale pour arriver jusqu'à la réalisation même du laser à cause du gouvernement américain, qui lui a demandé de prendre en charge une mission administrative très importante à Washington, ce qu'il s'est cru et obligé de suivre. Et moyennant quoi, en fait, c'est M. Theodore Maiman qui, dans son garage, presque littéralement, tout seul en tout cas, a réalisé le tout premier laser opérationnel en 1960. Sur la base d'un cristal à rubis pompé par une lampe flash enroulée autour. Voilà, ça c'est le diagramme du tout premier laser. J'ai vu ce laser à l'occasion des 50 ans à l'espace du Louvre à Paris. La veuve de Theodore Maiman est arrivée et on a remis en route le laser original de Maiman. 50 ans après, il a refonctionné. Juste un mot, les premiers lasers en France sont arrivés relativement vite après, à deux endroits, à Polytechnique, dans un laboratoire de physique des plasmas en fait, qui ont reproduit les premières expériences sur le laser hélium néon, et à Corbeville, donc dans le milieu privé, c'est la recherche industrielle qui menait la danse, dans une compagnie qui, de mémoire, s'appelait la Compagnie Générale de Radiotélégraphie Sans Fil, qui depuis a beaucoup évolué et qui est aujourd'hui la société Silas. Alors, les lasers dont je viens de vous résumer la nature fonctionnent essentiellement en continu. On apporte de l'énergie en continu et le faisceau qui en sort est continu. Bon. Pour arriver au laser de l'extrême, il y a une étape supplémentaire qui est le passage en impulsion courte. Comment est-ce qu'on peut prendre un laser continu et le transformer en laser qui devient donc impulsionnel? Il y a une première méthode qui est relativement simple, qui est de mettre une sorte de porte. Donc on empêche le laser de fonctionner pendant un temps, puis on ouvre la porte, le laser fonctionne et on referme la porte. Bon, cette méthode-là, elle est toujours utilisée. Le premier dispositif dont vous avez une photo là, qui est absolument incompréhensible, et la seule chose que je voulais vous montrer, c'est que c'est incompréhensible, c'est un miroir tournant, c'est un laser dans lequel un des miroirs tourne en permanence. Donc ça veut dire que l'essentiel du temps, il n'est simplement pas dans l'axe de la cavité, donc le laser ne fonctionne pas. Et puis de temps en temps, pendant quelques millisecondes peut-être, il est à peu près dans le bon axe, le laser se met à fonctionner correctement. Ça marche très mal parce que quand même la moitié du temps, il est toujours un petit peu dans le mauvais sens, donc ça vous donne un faisceau laser qui est allongé, qui est oblong, enfin bon, ça ne marche pas très bien. Donc on est assez vite passé, voire même très vite passé, à des systèmes où on coupe l'électronique et l'optique.
le petit filet électro-optique ou acousto-optique. Et plutôt que de vous montrer les photos, c'est commercialement disponible depuis 50 ans, enfin 40 ans en tout cas. Là, ce que j'ai repris ici, c'est le dispositif qui a été inventé par des Français, qui étaient les Français de Courbeville dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont découvert et inventé un dispositif, qui sont arrivés 3 mois après leurs homologues américains. Donc je me disais que c'était bien d'en parler là, parce que personne n'en parle jamais. On cite toujours les Américains et jamais les Français qui avaient 3 mois de retard. Toujours est-il que la méthode qu'on utilise, enfin la première méthode qu'on utilise, est de moduler par exemple des pertes dans un laser. Donc vous prenez un dispositif électronique qui va induire des pertes, donc on va plus ou moins empêcher la lumière de faire des allers-retours, et ce d'une manière sinusoïdale. Donc vous imaginez ici le niveau de perte qu'on induit dans un laser. Très régulièrement, le niveau de perte tombe à zéro. Et sans grande surprise, le laser choisit de fonctionner au moment où on ne lui impose pas de perte. Donc vous avez naturellement un train d'impulsion qui va se produire. Alors pour ça, il faut que le temps d'oscillation ici corresponde exactement au temps que met une impulsion laser à faire un aller-retour dans la cavité. Sinon, ça ne marche pas, mais c'est assez évident. Moyennant quoi, on arrive très naturellement à avoir des impulsions dans le domaine picoseconde. Alors voilà, j'ai lâché le premier gros mot. Je vais revenir sur la série de tous les gros mots. Donc une picoseconde, c'est un millième de milliardième de seconde. D'accord ? On verra un peu plus court encore tout à l'heure. Ce qui est très vexant, c'est qu'en fait, ce n'est pas avec cette méthode-là qu'on arrive à faire les impulsions laser les plus courtes. Parce que, une petite anecdote, il y a déjà une petite vingtaine d'années, dans l'université écossaise de St. Andrews, un jeune chercheur essayait désespérément de passer des impulsions assez courtes, très en dessous de la picoseconde, avec un dispositif du type de ceux que je viens de vous expliquer. Puis il n'y arrivait pas, puis ça l'énervait. Et bon, il était, je ne sais pas s'il était midi ou 5 o'clock chez eux, mais bon. En tout cas, c'était l'heure d'aller manger, donc il en a eu assez. Il a pris son dispositif électro-optique, il l'a posé sur la table, puis il est parti manger. Et quand il est revenu, il a vu son laser qui fonctionnait avec des impulsions plus courtes que ce qu'il avait jamais vu. Autrement dit, avec son dispositif, ça ne marchait pas, sans, ça marchait. On a passé environ 2 ans à essayer de comprendre ce qui se passait dans ce genre de cas de figure. Alors déjà, on s'est aperçu au début que ça marchait de temps en temps, ça ne marchait pas. Quand ça ne marchait pas, il suffisait de donner un grand coup de pied dans la table et ça remarchait. C'est ça aussi, hein, la recherche régulièrement. Et on a fini par comprendre au bout de 2 ans. Donc, à l'époque où j'étais en thèse, ce mécanisme-là s'appelait le magic mode locking, donc le couplage de mode. Je n'explique pas la dénomination, mais en gros, le fonctionnement d'impulsion courte magique. Et puis, peu de temps après, on a fini par comprendre. Donc, depuis, on appelle ça le couplage de mode par effet de lentille Kerr. Alors, l'idée, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Quand une impulsion laser est assez réduite en temps, ça veut dire que son intensité, je vais revenir aussi tout à l'heure, devient légèrement plus importante, et quand son intensité est plus importante, elle commence à modifier le milieu, les propriétés du milieu qu'elle traverse. En particulier, un milieu qu'on appelle Kerr va avoir tendance à légèrement focaliser l'impulsion, la concentrer spatialement, et si elle la concentre spatialement et que vous placez un iris, donc une toute petite ouverture, un petit peu derrière, ben elle va mieux traverser l'iris parce qu'elle sera plus concentrée. Donc là, vous avez une sorte de mécanisme, entre guillemets, naturel, qui permettra au laser d'avoir moins de pertes lorsque l'intensité est légèrement plus forte et plus quand elle est plus faible. Donc, et à nouveau, le laser, quelque part, il est intelligent. Il va dire, tiens, ça marche mieux quand je travaille une impulsion courte. Il va spontanément se mettre en impulsion courte ou pas du tout. Et s'il fonctionne juste en continu, qu'il n'a pas encore eu la bonne idée de se mettre en impulsion courte, à nouveau, vous lui donnez un grand coup de pied et il se met en impulsion courte. Après, on a trouvé des dispositifs plus fiables que les coups de pied dans la table. Toujours est-il que toutes ces inventions, toutes ces méthodes ont donné lieu à une sorte de course mondiale à l'échalote, si on peut dire. Depuis l'invention du laser, les toutes premières méthodes mécaniques dont je parlais tout à l'heure, qui donnaient des impulsions de l'ordre de la milliseconde, à l'état de l'art actuel, dans le proche infrarouge, qui doit être, si je ne m'abuse, parce que j'ai des collègues qui sont en train de s'échapper sur des dixièmes de femtosecondes. Donc le record aujourd'hui est de l'ordre de 3,5 femtosecondes. Alors 3,5 femtosecondes, donc 3,5 millionième de milliardième de seconde. C'est à peu près le plus court qu'on sache faire, et c'est à peu près le plus court qu'il soit possible de faire, parce que là on se heurte à une limitation physique
qui se comprend. J'ai expliqué au début que la lumière, c'était à la fois une onde et des photons. Donc là, je vais revenir à la description en termes d'onde. Une onde, ça oscille. Et une oscillation de la lumière vous définit à peu près le temps le plus court que vous puissiez imaginer pour avoir une impulsion. Il se trouve qu'à ces longueurs d'onde-là, la lumière oscille en 2,5 millionième de milliardième de seconde. Donc obtenir une impulsion de 3,5 millionième de milliardième de seconde, c'est déjà pas mal du tout. Et on sait qu'on ne pourra pas descendre là, sauf à changer complètement de gamme de longueur d'onde et avoir des lasers qui, eux, oscillent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc ça s'appelle l'extrême ultraviolet ou les rayons X. Et le record du monde, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, le record du monde absolu en termes d'impulsion optique est détenu par des collègues à nouveau du Créole en Floride avec une impulsion de 65 milliardièmes de milliardièmes de seconde, 65 attoseconde. Donc là, on est déjà dans les lasers de l'extrême, l'extrême voulant dire ici extrêmement court. Bon, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises les gros mots, donc je me suis dit qu'il était temps de faire un point sur les unités de temps. Bon, la seconde, vous connaissez tous. Ce qu'il faut se visualiser, c'est que la seconde correspond au temps nécessaire pour que la lumière passe de la Terre à la Lune, grosso modo. Ensuite, la milliseconde, ça c'est pour les chronomètres les plus rapides, pour les sports de compétition. En une milliseconde, la lumière fait 300 km, Paris-Rennes, en gros. En l'échelle de temps encore mille fois plus courte, c'est la microseconde. En microseconde, la lumière parcourt grosso modo la distance correspondant à l'écart entre le bas et le haut de la tour Eiffel, à peu près 300 mètres. En dessous, encore en dessous de la nanoseconde, vous avez la nanoseconde. Alors la nanoseconde, en une nanoseconde, la lumière parcourt 30 cm. Encore mille fois plus court, vous avez la picoseconde. En une picoseconde, la lumière parcourt à peu près l'épaisseur d'un cheveu. En dessous, vous avez la femtoseconde. Donc, en une femtoseconde, la lumière parcourt 300. Alors là, je suis désolé, je vais encore utiliser les mêmes gros mots, 300 nanomètres, mais là, je ne sais pas faire autrement. Donc là, on rentre dans les nanosciences. Et encore en dessous, vous avez l'attoseconde. J'ai commencé à vous parler d'attoseconde. Et on commence, alors sérieusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on commence à parler de zeptoseconde, d'impulsion qui pourrait être zeptoseconde dans le domaine des rayons X. Et là, je vais arrêter d'essayer de vous donner des indications de distance. Donc je suis désolé, si vous m'entendez parler régulièrement de nano, pico ou femtoseconde, ce sera essentiellement ces trois-là. Sans rentrer dans les détails, il est naturel de fonctionner avec des impulsions comme ça, c'est pas complètement un hasard. La femtoseconde est l'échelle de temps, l'échelle de vie, on va dire, naturelle des électrons dans un atome ou une molécule. La picoseconde, c'est l'échelle de temps naturelle d'oscillation d'une molécule. La nanoseconde, c'est l'échelle de temps assez naturelle de détente d'un plasma très chauffé. Donc, ces phénomènes qu'on étudie physiquement se chiffrent naturellement dans ces trois unités-là. Et donc, dans mon domaine, une nanoseconde, ben, vous voyez bien qu'on est dans la partie haute du tableau. Donc, pour moi, une nanoseconde, c'est long, c'est affreusement long. Et une femtoseconde, oui, c'est normal, c'est notre travail de tous les jours. Alors, ceci dit, vous devriez m'interrompre là en me disant, ben, vous êtes bien gentil, mais comment est-ce que vous mesurez une femtoseconde ? Les chronomètres, on les a oubliés depuis longtemps. L'électronique, les meilleures des électroniques fonctionnent avec des bandes passantes, on va dire, domaine gigahertz, quelques gigahertz, donc des temps de l'ordre de la nanoseconde au mieux, et c'est vraiment de l'électronique d'ultra-pointe. Comment est-ce qu'on va faire ? On va avoir recours à des méthodes purement optiques, en couplant optique et mécanique. Alors mécanique, tout ce qui est plus élémentaire. Vous prenez une impulsion laser qui sort de votre laser favori. Vous allez la couper en deux dans un dispositif qu'on appelle un Michelson. Michelson va vous créer une paire d'impulsions que vous pouvez décaler en temps comme vous voulez l'une par rapport à l'autre avec un petit bouton de réglage. Ces deux impulsions jumelles, vous les faites passer sur une lentille qui va les envoyer dans un cristal ici avec un beau chi2, ça c'est la lettre grecque pour dire qu'on va faire de la conversion de fréquence. À l'endroit où les deux impulsions se superposent, on va créer de la lumière à une fréquence double. Et cette lumière à la fréquence double, on va la mesurer ici. J'ai dit qu'en fait, elle n'était créée que quand les deux impulsions se superposent. Donc, si imaginez que vous éloignez complètement, un peu comme c'est là, les deux impulsions, le temps que celle-ci arrive dans le cristal, celle-là sera déjà passée. Donc, vous n'aurez aucun signal de votre détecteur-là. Par contre, si vous avancez cette deuxième impulsion pour la mettre ici
elle va bien superposer dans le cristal et vous aurez un joli signal là. Et si vous l'avancez trop, bah, elle va arriver en avance et vous n'aurez plus de signal non plus. Donc simplement, en allant déplacer de quelques dizaines de microns cette impulsion ici, enfin un miroir qui renvoie ici cette impulsion, vous êtes capable de dire, bah, voilà, la superposition entre mes deux, enfin, entre mon impulsion et elle-même essentiellement, se produit sur une distance de temps dans mon Michelson, et donc mon impulsion fait tant de femtosecondes. En fait, on va traduire le temps simplement par une mesure élémentaire de distance. Bon, ça, c'est une sorte de principe relativement général. Ce qui est amusant de constater, c'est qu'en fait, il y a eu littéralement... C'est un domaine de recherche en soi, la caractérisation des impulsions courtes, et vous avez littéralement plusieurs dizaines de méthodes avec énormément de variantes, énormément de, je veux dire, d'ingéniosité pour réussir à caractériser de manière fiable les impulsions. Parce que quand même, un de nos cauchemars dans les laboratoires, c'est d'avoir un dispositif qui vous dit que votre impulsion fait 35 femtosecondes et que vous avez un deuxième dispositif qui vous dit qu'elle en fait 75. Ça, on n'aime pas trop. Toujours est-il qu'on a essayé donc de trouver de plus en plus de méthodes les plus fiables possibles. Et puis, il y a une sorte de mode qui s'est mise dans le domaine de leur donner des noms. Alors, je vous laisse... Je suppose qu'une partie de la salle parle anglais. Donc, vous avez la méthode Frog, vous avez la méthode Spider, vous avez la méthode Pincer, et puis, toujours en anglais dans le texte, vous avez la méthode, je vais y arriver, Grenouille. C'est ça que vous avez dans les conférences internationales. Bon, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est attaché à trouver des... À chaque fois, c'est un sigle, plus ou moins tiré par les cheveux, mais à chaque fois, c'est un sigle qui décrit un type de méthode de caractérisation. Au-delà de cette caractérisation, en fait, depuis donc, 55 ans, c'est développer une véritable ingénierie de la lumière. On est capable de faire énormément de choses sur nos impulsions. On est capable déjà de faire, je l'ai déjà mentionné un petit peu, de la conversion de fréquence, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser des effets non linéaires dus à l'intensité même du faisceau laser sur lui-même. On est capable d'ouvrir et de fermer des portes, appartement pour la lumière. Donc, appartement, on peut ouvrir ou fermer une porte. On peut aussi, c'est presque naturel, faire un aiguillage, dire à une impulsion lumineuse, ah, là, je veux que tu ailles à gauche, ah, non, une nanoseconde plus tard, je veux que tu ailles à droite. Un aiguillage optique. On est capable, je vais y revenir aussi, de faire des jeux où on va utiliser les propriétés spectrales de la lumière, les couleurs différentes de la lumière, pour les envoyer dans des directions différentes. On est capable de tordre des fronts d'ondes avec des distorsions entre fronts d'ondes et fronts d'énergie. Enfin, on est capable de faire tout un tas de choses. Et toute cette ingénierie nous amène à quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors là, je ne vais pas tout vous expliquer. C'est juste un exemple. Toujours est-il que le laser, vu comme deux miroirs, enfin, une cavité laser, un milieu actif, etc., c'est vrai, c'est le début. Maintenant, une fois qu'on a un laser comme ça, qui ici, c'est la deuxième boîte que vous voyez là, ben, on prend le train d'impulsion, puis on va aller, par une porte optique, prendre une impulsion dans tout un train d'impulsions, toute une série d'impulsions. Et cette impulsion, on va l'amplifier, on va lui faire subir tout un tas de choses, on va la filtrer, on va l'empêcher de repartir en arrière, on va la transporter d'endroit en endroit. Enfin, on lui fait subir tout un tas d'avanies à la pauvre lumière, dans le but d'arriver quelque part à la fin d'un grand système avec des choses qui soient des impulsions laser, importante en énergie, qui est une énergie notable, l'ordre de joules, du joule, la centaine de joules, du kilojoule. Ici, c'est 1300 joules. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on appelle le laser pétawatt de Livermore. Donc, le plus grand centre laser du monde en Californie. Et être capable ensuite d'utiliser ça pour faire de la physique. Alors, on pourrait le faire exactement comme je viens de vous le dire là. Donc, prendre une impulsion laser, la singulariser, c'est-à-dire la choisir, puis l'amplifier. Et là, on se heurte à un problème pour les cas de figure. On travaille avec des impulsions vraiment courtes, des impulsions dans le domaine femtosecondes. Parce que je vous ai déjà parlé à deux ou trois reprises des effets non linéaires qui arrivent assez rapidement quand on commence à jouer avec ces échelles de temps extrêmement courtes. Et ces effets non linéaires peuvent être assez rapidement destructeurs. C'est-à-dire que l'effet Kerr, l'effet d'autofocalisation, enfin d'autoconcentration spatiale de la lumière dont je parlais tout à l'heure, elle peut se produire dans des milieux amplificateurs, auquel cas le faisceau va se concentrer dans le cristal, par exemple, de saphir dont je parlais tout à l'heure, et il va le casser.
Et donc là, on a un problème, parce que ça veut dire que pour des impulsions vraiment très courtes, on ne va pas pouvoir dépasser notablement des niveaux de l'ordre de quelques dizaines de microjoules avant de voir la chaîne tomber en morceaux littéralement. Quoi. Donc il y avait un problème qui a été résolu par un de nos compatriotes, Gérard Mouroux, qui à l'époque, enfin, pendant très longtemps, une grosse partie de sa carrière, a travaillé aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a eu l'idée de jouer sur les effets spectro-temporels dont je parlais tout à l'heure. Il est parti du principe qu'une impulsion courte, nécessairement, doit avoir plusieurs couleurs différentes. On peut pas, une couleur parfaitement définie ne peut correspondre qu'à un faisceau qui est quasiment infini en temps, parce que c'est la définition même d'une couleur. Si vous avez un faisceau qui est plus court, qui est relativement court, on montre assez simplement qu'il doit comprendre plusieurs couleurs à la fois qui sont assemblées pour donner une impulsion courte. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs ouvre la possibilité d'avoir un jeu où vous allez étirer temporellement une impulsion. Donc vous prenez les composantes entre guillemets bleues et les composantes entre guillemets rouges, vous leur faites suivre des chemins différents dans un certain système optique, et à la sortie, vous allez voir une impulsion qui sera étirée en temps avec vraiment le rouge très en avant et le bleu très en arrière. Une fois que vous avez fait cette étape, ce qu'on appelle une ligne dispersive ou un étireur, là, pour le coup, votre impulsion extrêmement courte est devenue longue, mais de manière parfaitement contrôlée. Donc là, vous pouvez l'amplifier. Et une fois qu'elle est amplifiée, vous lui faites subir la même aventure, mais à l'envers. Vous remettez cette impulsion dans un système où le rouge et le bleu vont avoir des chemins différents, mais dans l'autre sens. Auquel cas, à la fin, vous arrivez avec une impulsion qui sera à la fois courte et énergétique. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique ? On utilise donc les couleurs, je viens de le dire, mais on utilise des dispositifs optiques qui renvoient différemment les différentes composantes de couleurs. Le premier que tout le monde connaît, c'est le prisme, qui est toujours très utilisé pour certains étireurs. Donc, l'étireur, c'est la partie initiale. L'autre élément qu'on utilise très largement, c'est ce qu'on appelle les réseaux de diffraction. Ça ressemble à un miroir, mais c'est un miroir qui est nanostructuré par tout un tas de traits horizontaux. Ces traits horizontaux vont diffracter, renvoyer de la lumière dans des directions différentes en fonction de la couleur. Donc grâce à ces éléments optiques dépendants de la couleur, on est capable de tirer une impulsion, l'amplifier, puis la recomprimer. Un exemple typique des technologies titane-saphir, si vous partez d'un oscillateur laser qui vous donne une impulsion d'une quinzaine de femtosecondes, vous pouvez l'étirer à environ 400 picosecondes, donc l'étirer d'un facteur de plus de 10 000, après quoi vous l'amplifiez au niveau d'énergie que vous voulez, mettons de quelques joules, et vous la recomprimez. Alors on ne la recomprime jamais tout à fait à la durée initiale, parce qu'il y a des phénomènes un petit peu pervers entre-temps, mais vous êtes arrivé ici à avoir une impulsion qui est à la fois de quelques joules et de 25 femtosecondes, ce qui en amplification directe était rigoureusement impossible. Donc l'ensemble peut vous donner ce genre d'architecture. Ça, c'est l'exemple du système laser du laboratoire qu'on mentionnait tout à l'heure, dans lequel j'étais une dizaine d'années à Palaiseau, ce qu'on appelle le laser de la salle jaune. Donc un laser de cette gamme-là, ça tient dans une pièce qui est à peu près de la taille de cette estrade, avec l'oscillateur. Donc le laser initial, qui est la petite boîte rouge ici. Ici, bien couvert, vous avez l'étireur. Les dispositifs d'amplification avec des lasers de pompe que vous voyez ici. L'amplification se produit toujours à la croisée dans des petits cristaux judicieusement positionnés ici, là, et à l'intérieur de cet ensemble-là. Et tout à fait à la fin, vous placez, non représenté sur ce schéma, un dispositif de compression qui doit même être dans l'air, dans le vide, parce que même l'air devient non linéaire. Donc même l'air empêche les impulsions laser de se propager à ce niveau de puissance. Et donc ça, c'est des caractéristiques typiques. Alors, deux choses, il faut se rendre compte un petit peu de ce à quoi on est déjà arrivé. Là, je viens de vous parler d'amplification d'un laser à une énergie de 1 joule sur une durée de 30 femtosecondes, donc 30 millionièmes de milliardièmes de seconde. Une énergie que divise un temps, si vous avez quelques souvenirs de physique, ça s'appelle une puissance. En l'occurrence, c'est une puissance crête, c'est la puissance vraiment au maximum de l'impulsion. Et si vous faites le calcul, cette puissance ici est de 30 terawatts. D'accord ? Donc 30 millions... Qu'est-ce que je raconte ? 30 000 milliards de watts. En comparaison, la puissance dissipée par la France entière au maximum de l'hiver doit être d'environ 80 gigawatts seulement. Donc ceci est beaucoup, beaucoup plus puissant
environ 300 ou fois plus puissant que la puissance consommée par toute la France. Il n'y a rien qui vous choque. Bon, normalement, si, à ceci près que la réponse est assez évidente. La puissance consommée par la France au cœur de l'hiver, par exemple en ce moment, surtout quand il neige à Rennes, c'est une puissance qui est en continu. Là, on est en train de parler d'une puissance qui est concentrée en temps pendant 30 millionièmes de milliardièmes de seconde. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. L'autre chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le laser qui sort là, donc on a parlé du laser avec la petite cavité, etc., à la sortie d'une chaîne laser comme ça, il faut vraiment imaginer que la lumière qu'on obtient, à nouveau, je suis en Bretagne, donc je vais me laisser aller avec mes correspondances bretonnes, c'est une crêpe de lumière, 30 femtosecondes, si on reprend ma correspondance espace-temps que je vous mentionnais tout à l'heure, 30 femtosecondes, c'est 10 microns. Donc imaginez qu'à la sortie de ce laser-là, vous avez une galette de lumière qui en pratique fait environ 5 cm de diamètre, qui fait 10 microns d'épaisseur et qui évidemment sort du laser à 300 000 km par seconde. Et c'est ça qu'on va aller utiliser pour soumettre la pauvre matière qui n'a rien demandé à personne et créer tout un tas de phénomènes intéressants. Pour créer ces phénomènes, on va la focaliser, c'est-à-dire que cette crêpe de lumière de 5 cm, on va l'envoyer, alors ce ne serait plus une lentille, parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on ne peut plus utiliser que des miroirs réflectifs. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un miroir parabolique orax pour la concentrer sur un tout petit point, à la limite de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire quelques micromètres de diamètre, et donc une impulsion de quelques joules ou quelques dizaines de joules, durée quelques dizaines de femtosecondes, concentrée sur une tâche focale de quelques microns, vous donne une densité de puissance qui est totalement astronomique, et va créer tout un tas de phénomènes dont je parlerai tout à l'heure. Cette concentration énergique que divise temps, que divise surface, on l'appelle en bon français éclairement et en mauvais français intensité, puisque les Anglais l'appellent intensity. C'est quelque chose qui est absolument fondamental, qui va complètement déterminer la physique qu'on va pouvoir faire avec nos lasers intenses. Bon, il existe après toute une zoologie de lasers intenses allant d'impulsions, alors déjà même du microjoule que j'ai omis de mentionner ici, des lasers relativement de cadence. L'exemple que je venais de prendre, c'est un laser de classe typique du joule, donc de puissance de quelques dizaines de terawatts. Vous avez également des lasers de durée picoseconde qui, eux, atteignent couramment le... Enfin, couramment, non, pas exagéré. Il y a, sur la planète, des lasers qui atteignent le kilojoule. Et puis, les deux extrêmes, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure, qui sont les lasers de classe mégajoule, qui, eux, fonctionnent essentiellement en impulsion longue nanoseconde. Alors, ces différentes voies, ces différentes méthodes d'amplification, différentes, donnent lieu à des projets extrêmement ambitieux pour aller toujours plus loin dans l'intensité, dans l'éclairement. Je voulais mentionner ici le fait que vous avez en région parisienne un très grand projet qui a été lancé, qui s'appelle le projet de laser Apollon avec un centre de physique associé qui s'appelle Silex. Ceci vous donne un petit peu la taille des systèmes qu'on fait. Tout à l'heure, je parlais d'un laser de 30 TW qui tenait sur l'estrade. Là, on est sur un système qui tient alors, dans un ancien accélérateur. Donc là, je ne connais pas exactement les dimensions, mais ceci doit faire environ une trentaine de mètres de long. Vous avez en fait l'emprise au sol qui est montrée ici sur une photo d'avion. Donc le rectangle que vous voyez ici, ça correspond à ça. Vous voyez que c'est déjà des choses qui sont absolument énormes. Ce laser Apollon devra délivrer dans peu d'années sur deux faisceaux, soit 150 joules, soit 15 joules, enfin 150 joules et 15 joules, pour une durée d'impulsion de 15 femtosecondes, 15 millionièmes de milliardièmes de seconde. Normalement, ça fait une puissance de 10 pétawatts. À côté de cette famille de lasers fonctionnant à impulsion extrêmement courte, vous avez aussi une deuxième famille qui existe toujours, qui n'utilise pas la technologie d'amplification des dérivés de fréquence que j'expliquais tout à l'heure, qui utilise une technologie d'amplification directe, donc pour le coup en impulsion beaucoup plus longue, en impulsion de nanosecondes, mais qui est capable d'atteindre des niveaux d'énergie considérablement supérieurs. Dans l'ordre, le laser Nova qui a fonctionné pendant une bonne dizaine d'années dans le laboratoire de Livermore aux États-Unis. Ce laser-là a été démantelé. Le laser Gecko 12 à Osaka, au Japon, qui lui fonctionne toujours très bien. J'ai régulièrement des collègues qui travaillent dessus. Vous voyez qu'on change complètement de gamme, de taille de laser ici. Et le NEC plus ultra
à l'échelle mondiale, c'est un grand laser américain qui s'appelle le National Ignition Facility, donc toujours à Livermore, et à côté de mon laboratoire, et ce n'est pas du tout un hasard, le laser mégajoule, le LMJ, qui tient dans un bâtiment de 300 mètres, dont vous avez la photo ici. Et si vous regardez un petit peu l'intérieur d'un des halls laser que vous voyez soit là, ça vous donne ceci. Au centre de ce bâtiment, vous avez la zone dans laquelle on fait l'interaction, où on va aller focaliser ce laser sur de la matière, sur des petites billes. Cette boule ici fait 10 mètres de diamètre, et tous les lasers sont focalisés dans un tout petit point qui est au centre de ce faisceau de porte-cible, de diagnostic, etc. Ça, c'est le cœur de l'ensemble de l'installation. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment dans des lasers de l'extrême. Alors là, c'est l'extrême, y compris en termes de budget, de BTP, de tout ce que vous voulez. C'est un laser qui, donc, qui délivrera des impulsions de 1,2 mégajoules. La mise en service a commencé. Le LMJ a fait ses premiers tirs au mois d'octobre. À puissance réduite, et la puissance du LMJ va progressivement augmenter pendant une dizaine d'années jusqu'à atteindre la pleine puissance, 1,2, enfin pleine énergie, 1,2 mégajoules, comme je le disais tout à l'heure. Alors, j'ai déjà beaucoup commencé à parler d'intensité, d'éclairement, etc. Petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, en essayant de rester aussi simple que possible. Cette unité de densité de puissance, on a, nous, l'habitude d'utiliser le watt par centimètre carré. Watt, c'est énergie par seconde, par centimètre carré, parce que j'ai dit que c'était focalisé. Bon. À partir de cette unité, on peut aller classer en fait, les différents effets physiques qu'on étudie, suivant la gamme donc, d'intensité. De 10 à 12 watts par centimètre carré, c'est vraiment très facile à atteindre, il suffit de quelques microjoules pour arriver là. Vous avez des effets, ce qu'on appelle des effets multiphotoniques, c'est-à-dire que vous allez interagir en empilant des photons les uns sur les autres, sur des atomes ou des molécules. Un petit peu au-delà, vous avez des effets de physique atomique très amusants, si on peut dire, comme le fait que des électrons soient arrachés par effet tunnel, le fait que la lumière puisse s'autoguider dans l'air, enfin, tout un tas de phénomènes très intéressants à étudier. Et puis là, j'arrive à un premier seuil que je rappelle toujours, un seuil un petit peu symbolique, parce que c'est ce seuil-là qui marque l'entrée de ce qu'on appelle la physique des plasmas. Alors, la physique des plasmas, c'est la branche de la physique qui étudie la matière à des températures tellement élevées qu'en fait, les électrons ne restent jamais sur leurs atomes ou leurs molécules. Donc, les électrons sont essentiellement libres. Donc, imaginez une soupe d'ions et d'électrons à haute température. Ceci est un plasma. Bon, c'est l'état naturel de l'essentiel de l'univers. Sur Terre, on voit surtout du solide, du liquide ou du gazeux. Les étoiles, c'est intégralement des plasmas. Donc c'est un état qui en fait est extrêmement répandu dans l'univers, et où donc les électrons sont libres. Ce qui se passe à ce niveau d'éclairement ici, c'est que des électrons qui seraient sagement autour d'un atome dans un état gazeux ou solide, jusqu'à ce point-là, ils voyaient arriver un laser qui était petit par rapport au champ propre de l'atome. Donc, bon, ils pouvaient réagir, ils pouvaient faire tout un tas de choses intéressantes, mais c'était quand même qu'une perturbation par rapport à leur édifice atomique. À partir de là, on inverse la perspective, l'atome n'est plus qu'une perturbation par rapport au laser. Donc, inutile de dire que les atomes ou les molécules ne restent pas très longtemps à l'état d'atomes et de molécules. Les électrons partent instantanément sous le champ du laser, et vous arrivez instantanément, quand je dis instantanément, c'est une fraction de femtoseconde souvent, dans un régime de plasma. Et puis presque tout de suite, donc à peine un ordre de grandeur et demi au-dessus, on a un deuxième seuil qui est très important, qui est le seuil relativiste, parce qu'un électron qui est libre maintenant forcément sous l'effet du laser va osciller. Un laser, c'est la lumière, c'est un champ électrique et magnétique, mais un champ électrique qui oscille. Ce champ électrique va entraîner les électrons, il va les entraîner tellement fort qu'un électron va instantanément arriver à la vitesse de la lumière, transversalement. Donc vous imaginez un électron qui va être à la vitesse de la lumière vers le haut, puis le champ laser, ça va s'inverser, pouf, il va appuyer sur le frein, s'arrêter, changer de sens, et être réaccéléré et aller à la vitesse de la lumière vers le bas. Nouveau changement de signe du laser, nouveau frein, et on repart. Et les électrons se mettent à avoir des sortes de trajectoires triangulaires, vitesse de la lumière dans un sens, vitesse de la lumière dans l'autre sens, vitesse de la lumière dans un sens, etc. Je ne vais pas continuer très longtemps. C'est ce qu'on appelle le régime relativiste. Et les électrons qui sont dans ce régime relativiste, ben c'est de la théorie de la relativité, ils ont une masse effective qui va se mettre à augmenter et ça change complètement les propriétés du plasma. Donc là, vous avez une nouvelle gamme de processus de physique des plasmas relativistes qui va arriver.
Ces électrons, en plus, ils vont pouvoir rentrer en collision avec des noyaux. Donc vous avez des phénomènes de physique nucléaire qui vont arriver. La limite technologique actuelle, elle est vers 10 puissance 22 watts par centimètre carré, et on est en train de travailler très fort, en particulier dans le projet que je mentionnais tout à l'heure, le projet Apollon Silex, on est en train de travailler très fort pour l'amener à environ 10 puissance 23, voire 10 puissance 24 watts par centimètre carré. Donc là, il y a toute une physique intéressante, et puis après, ben après c'est du beaucoup plus long terme, de 10 puissance 25 à 10 puissance 30 watts par centimètre carré, c'est des chiffres qu'on n'atteindra pas dans un futur proche, mais c'est des chiffres qui seraient intéressants aussi, parce que là, on va carrément faire joujou avec la physique des particules par les lasers. Alors, à quoi ça sert tout ça? Maintenant qu'on a des lasers plus ou moins gros, plus ou moins énormes même, je vais commencer par le plus petit, donc correspondant au haut de mon tableau précédent, pour des éclairements, on va dire, relativement raisonnables, 10, 12, 10, 13, 10, 14 watts par centimètre carré. Ces lasers intenses, alors ces petits lasers intenses pour commencer, on va les utiliser, ils sont déjà très utilisés dans l'horlogerie par exemple, dans la micromécanique, pour faire de la découpe, du perçage, du soudage, du collage par laser. Donc ça c'est tout un domaine à la croisée entre l'industrie et la recherche en physique des lasers et des plasmas. On est capable de faire des trous de quelques microns extraordinairement propres. Ça, c'est des photos venant du centre technologique Alphanov à Bordeaux. Vous voyez qu'on est capable de percer des trous de 100 microns de diamètre avec une régularité absolue dans la découpe. Bon, ça, c'est déjà un exemple qui est assez ancien. L'idée est ici que, grâce à la brièveté des impulsions laser, on est capable, en gros, d'ablater de la matière sans que la chaleur n'ait eu, entre guillemets, le temps de trop diffuser. Et donc, on ablate sans fondre. Ce qu'on appelle l'usinage athermique. Enfin, bon. Autre exemple. Alors, je suis bien incapable de parler de tous les phénomènes de physique, parce qu'il y en a quand même plusieurs dizaines. J'ai essayé de parler de quelques-uns parmi les plus spectaculaires, puis un petit peu ceux que je connais aussi. Donc ça, c'est un phénomène sur lequel j'ai passé plusieurs années de travail, qu'on appelle la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Alors, c'est un phénomène d'optique non linéaire. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait prendre un faisceau laser, puis par exemple le doubler en fréquence par un effet non linéaire. On s'est rendu compte, l'extrême fin des années 80, que si vous preniez une de ces impulsions laser très très courtes, vous l'envoyez dans un jet de gaz rare, comme du xénon, du krypton, on peut faire toute la série, hein, néon, argon, hélium, ce milieu de gaz rare réagissait en rémettant de la lumière à des multiples entiers de la fréquence incidente. Ça, c'est presque la définition d'un processus non linéaire. Ce qui est amusant ici, c'est que ce n'est pas un processus qui est, je vais dire, simplement à l'ordre 2 ou 3, comme on le fait depuis 40 ans, c'est un processus qui peut atteindre l'ordre 135, 400, 1000. Auquel cas, vous avez, à la sortie de ce milieu gazeux, vous avez toujours le faisceau initial qui a à peine perdu un petit peu d'énergie dans l'affaire, et puis ça veut dire que vous avez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de faisceaux auxiliaires exactement collinaires, exactement synchronisés en temps, mais quelque part dans le domaine de l'extrême ultraviolet et des rayons X. Donc c'est une conversion qui est non linéaire, qui est totalement directe du domaine infrarouge dans le domaine proche X, et c'est grâce à ce mécanisme... j'y arrive un petit peu trop, un petit peu vite. Bon, ça, c'est l'image d'un spectre, de ce qu'on voit sur un spectrographe. Si on met un spectrographe sur la partie droite de la figure, vous voyez en fait les harmoniques successives dans cet axe-là, ce qui est l'axe spectral. Et puis ici, vous avez la répartition angulaire du rayonnement. Si maintenant vous tracez ce que ça donne en nombre de photons en fonction d'une unité de fréquence, vous voyez toutes les harmoniques successives qui apparaissent jusqu'à une coupure relativement brutale, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines dans des cas extrêmes. Ça, c'est un transparent que j'ai emprunté il y a un petit moment à des collègues coréens, pour signaler en passant que toute cette science est complètement internationale. Puisque vous voyez ici, c'est qu'en fait, vos différentes harmoniques, donc vos différentes fréquences induites par l'interaction, ont des intensités qui sont à peu près identiques. Et ça, pour un physicien, c'est très intéressant, parce que beaucoup de faisceaux complètement déterministes les uns avec les autres, sur une gamme de fréquences larges et des amplitudes à peu près identiques, dans le domaine temporel, ça correspond à des impulsions qui peuvent être extraordinairement courtes. Et c'est ce qu'on a effectivement démontré en 2001 par d'autres méthodes de caractérisation encore plus poussées que celles dont je parlais tout à l'heure. Et les collègues, cette fois-ci donc, des États-Unis, ont poussé la logique jusqu'à son extrême et ont réussi à démontrer la création d'impulsions de 65 atoms secondes
par ce mécanisme en resuperposant temporellement toutes ces harmoniques. Voilà. Deuxième application, un petit peu extrême aussi, enfin, on ne parle plus que de l'extrême maintenant, c'est l'accélération d'électrons. Les électrons, tout le monde sait que c'est ces petites particules extrêmement légères qui sont une composante essentielle de la matière. Ces électrons, donc, on peut les arracher très facilement avec n'importe quel de nos petits lasers. Ces électrons, on peut aussi les accélérer dans des grands accélérateurs. En particulier, bon, il y a un endroit qui est célébrissime, c'est le CERN à Genève, avec d'immenses anneaux qui accélèrent des électrons en énergie de 100-200 GeV pour l'ancien LEP. Ces accélérateurs, ils ont atteint un petit peu leurs limites technologiques, limites budgétaires. On sait qu'on n'ira pas très très au-delà de cette centaine de GeV que je mentionnais tout à l'heure, parce que le budget de la planète n'y suffirait pas. Il se trouve que des physiciens des plasmas ont montré qu'il y a un mécanisme très curieux, qui est que lorsque vous focalisez un laser intense femtoseconde simplement dans une petite colonne de gaz, typiquement de l'hélium, il se produit quelque chose ici, je ne vais pas dire quoi tout de suite, qui fait qu'à la sortie, vous avez un bout du laser qui reste, évidemment, mais vous avez surtout un paquet d'électrons accélérés à des vitesses extrêmement importantes, enfin, des énergies qui sont complètement relativistes, et qui partent dans l'axe avec le laser. Donc ce qu'on appelle l'accélération d'électrons par laser ou l'accélération d'électrons par sillage. Enfin, j'ai expliqué de quoi il retourne. Bon, juste pour vous expliquer un petit peu l'expérience typique, vous prenez alors ceci. Bon, on voit une photo en une seconde, je vais vous montrer la photo et puis je reviendrai en arrière. Ceci est une photo de ce qu'on appelle une chambre d'interaction. C'est une sorte de, vous imaginez une énorme cocotte minute d'environ un mètre de diamètre typiquement, remplie de tout un tas de dispositifs optiques et électroniques. Vous reconnaissez des miroirs ici, vous reconnaissez, alors ça, là, ceci c'est l'arrivée du gaz, donc vous avez une sorte de micro-jet de gaz à la base de la flèche rose là. Le laser arrive de la gauche en bleu, est focalisé ici par ce miroir parabolique là. Donc ici vous avez une interaction qui se produit et vous avez des électrons qui sont créés dans l'axe et qui sont diagnostiqués dans un spectrographe qui serait en dessous par rapport à notre chambre. Donc c'est ce schéma que j'ai mis là avec ma chambre en interaction, le miroir parabolique, le jet, le point d'interaction. Ici, c'est un mesureur de charge totale, donc c'est quelque chose qui va permettre de mesurer combien d'électrons ont été créés dans l'interaction. Et puis là, vous avez un dispositif qui va mesurer l'énergie des électrons qui ont été créés. Accessoirement, on commence à voir arriver ce genre de choses. Un laser intense sur ce genre de physique, c'est aussi du coup un accélérateur. Et comme tout accélérateur, ça devient entre guillemets un petit peu dangereux. Dans le sens où il est quand même assez formellement déconseillé de prendre un être humain et de le placer ici au moment où vous avez des électrons relativistes qui arrivent. Ça s'appelle une irradiation, quoi, en gros. Donc on se protège via des murs de plomb. Alors, bon, pour l'instant, j'ai décrit ça comme un processus relativement mystérieux. Ça n'est pas tant que ça. Bon, il y a plusieurs gammes d'explications. J'ai choisi de prendre l'explication un petit peu extrême. Votre laser, quand il rentre dans son jet de gaz, il est tellement intense qu'il va vraiment complètement pousser tous les électrons du milieu vers l'avant, complètement. Il va faire le vide autour de lui et va créer une bulle. Je vais arriver ici. Il va créer une bulle d'électrons. Alors, d'électrons uniquement, un plasma, c'est un mélange d'ions et d'électrons. Les ions sont des espèces extrêmement lourdes, donc ça se déplace très difficilement. Donc, les ions restent en place. Mais par contre, vous avez les électrons qui ont été poussés complètement un petit peu en avant, c'est la petite couche que vous voyez là, et sur le côté. Et donc, vous avez cette bulle qui se crée. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la bulle, vous avez des espèces positives et aucune espèce négative. Donc, vous allez avoir des champs électrostatiques, mais alors très importants, qui vont se créer dedans. Qui dit champ, dit possibilité d'accélérer des choses. Et pour accélérer des choses, il faut qu'il y ait quelque chose à accélérer. Ça a l'air assez basique, mais mine de rien, c'est un vrai problème. Alors de temps en temps, vous avez des électrons qui sont un petit peu chanceux et qui, par bonne ou mauvaise fortune, je vous laisse décider, se retrouvent injectés vers l'arrière de la bulle, ici. Et une fois qu'ils sont injectés dans l'arrière de la bulle, en fait, ils sont pris par le champ électrique qui règne dans cette bulle et ils sont accélérés. Et quelque part, les pauvres, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de suivre l'impulsion. L'image qu'on utilise couramment, c'est celle d'un hors-bord sur un lac. Vous avez le hors-bord qui va très très vite, qui crée une dépression derrière, et si vous aviez une balle de tennis qui était injectée dans ce sillage derrière le hors-bord, la balle de tennis n'aurait pas d'autre choix que de suivre le hors-bord.
Ici, le hors-bord, c'est le laser. Le lac, c'est mon gaz d'hélium. Et ma balle de tennis, c'est mes petits électrons. Ce mécanisme-là, enfin, quand il a été découvert, on se basait uniquement sur la bonne chance, si on peut dire, pour avoir des électrons dedans. Donc c'était mal défini, on obtenait des spectres énergétiques extrêmement larges. Et puis, à nouveau, les collègues ont commencé étape par étape à maîtriser ça. Maintenant, on sait comment faire essentiellement pour aller injecter des électrons dans la bulle. Et du coup, on se retrouve avec des possibilités d'accélérer des électrons jusqu'à des énergies qui sont assez faramineuses sur des distances extrêmement courtes. Donc là, c'est un résultat obtenu par des collègues de Berkeley, toujours en Californie, qui, sur une distance de l'ordre de 1 cm, ont montré qu'ils sont capables d'accélérer des électrons à 1 gigaélectronvolt sur 1 cm. J'insiste sur le 1 cm, parce que tout à l'heure, je disais qu'au CERN, il y avait des faisceaux de 100 GeV. Donc ça, 100 GeV, on ne sait pas faire encore. Le record du monde aujourd'hui est à 6 GeV dans la même équipe, 4 GeV en Corée. Mais par contre, c'est accéléré sur des distances qui sont de ça, et qui ne sont pas de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça veut dire que le champ accélérateur qu'on obtient avec ces lasers-là, il est juste 10 000 fois plus important que le champ accélérateur des meilleurs accélérateurs traditionnels sur la planète. Et ça, il y a des limitations fondamentales qui font ça. Donc, d'où une vraie question, c'est une vraie problématique à laquelle réfléchit en commun la communauté des physiciens des lasers et des plasmas d'un côté, la communauté des physiciens des particules de l'autre. C'est est-ce que par hasard, les accélérateurs du futur, ce ne seraient pas des lasers comme ça ? En termes de performance brute, on ne sait pas encore atteindre les 100 GeV, mais on sait qu'on y arrivera. Par contre, il y a une autre caractéristique des lasers, des accélérateurs traditionnels, qui sont d'avoir quand même énormément d'électrons qui tournent en permanence. Ça, on ne sait pas faire, ne serait-ce que parce qu'une impulsion laser crée un certain nombre d'électrons, mais une impulsion laser, pour arriver à la fameuse crêpe de lumière très, très intense, ben, il a fallu injecter, pour un joule, il a fallu injecter plusieurs centaines de joules au départ à la prise électrique. C'est donc quelque chose de très inefficace pour l'instant. Donc il y a des collègues qui sont en train d'étudier des mécanismes un petit peu futuristes de laser avec une bien meilleure efficacité, des cadences beaucoup plus élevées, et c'est en particulier le projet ICANN qui est actuellement lancé par le collègue que je mentionnais tout à l'heure, Gérard Moreau. Juste pour mentionner cette physique vraiment d'accélération d'électrons, il y a vraiment deux équipes au monde qui sont en position de leader. Enfin, il y a beaucoup d'équipes au monde, c'est vraiment un sujet très chaud et à la mode, mais les deux qui sont totalement leaders, c'est l'équipe de Wim Lemans à Berkeley et l'équipe de Victor Malka au laboratoire d'optique appliquée à Palaiseau. Une fois qu'on a ces électrons accélérés sur des distances extrêmement courtes, ben on peut faire tout un tas de choses avec. Par exemple, on réfléchit très sérieusement à la possibilité de faire des synchrotrons laser. Donc le synchrotron, c'est cette grande machine scientifique qui délivre des rayons X extrêmement bien qualifiés, contrôlés, contrôlables, des milliers d'utilisateurs sur la planète, allant des scientifiques aux sociétés pharmacologiques, par exemple. À chaque fois, c'est un grand instrument qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros, qui aussi dessert une large communauté scientifique. Dans le domaine des lasers, on pense très fort, enfin, il y a beaucoup d'expériences en fait, qui montrent que sur la base de ces électrons accélérés par sillage que je viens de mentionner, si maintenant on les fait croiser un faisceau laser qui va venir faire onduler ces électrons relativistes, ben, on obtient aussi des faisceaux de rayons X, ce qu'on appelle un synchrotron laser, et ces faisceaux de rayons X commencent à avoir aujourd'hui des capacités qui sont tout à fait non négligeables et surtout, elles sont résolues en temps, ce que savent moins bien faire les synchrotrons. Une autre grande machine de création de rayons X, ce qu'on appelle le laser à rayons X à électrons libres, c'est tout nouveau. J'aurais presque pu même les décrire en tant que tel dans une conférence intitulée Laser de l'extrême. C'est clairement des lasers de l'extrême. C'est quand même des systèmes. Alors, c'est juste le petit inconvénient de ne pas être un laser du tout. Mais ce n'est pas grave, c'est tout comme. C'est un accélérateur linéaire d'électrons. Ces électrons, vous les faites onduler dans plusieurs dizaines de mètres de dispositifs magnétiques. Ces électrons qui ondulent créent du rayonnement X qui interagit avec les propres électrons jusqu'à faire un rayonnement cohérent dans le domaine X. Donc c'est un peu l'équivalent d'un. Enfin, c'est la même cohérence qu'un laser, même s'il n'y a pas d'émission stimulée dans l'affaire. C'est aussi des dispositifs qui font plusieurs kilomètres de long pour des budgets de milliards, qui se chiffrent en milliards d'euros. Enfin, vous en avez trois grands sur la planète. Europe, Hambourg, États-Unis, Stanford et Japon. Un petit peu d'une manière similaire, on est en train de se demander dans quelle mesure, en utilisant des paquets d'électrons créés par sillage sur des distances très courtes et des faisceaux laser intenses, alors dans un dispositif un petit peu plus amusant où en fait on vient prendre en sandwich des électrons relativistes par deux lasers qui arrivent de côté,
et auquel cas, en fait, on va forcer les électrons à venir être piégés dans des murs de lumière, entre des murs de lumière qu'on crée là, à osciller dans ces murs de lumière et à mettre du rayonnement X vers l'avant. Donc, dans les deux cas, en fait, il y a vraiment des études extrêmement sérieuses sur la capacité de faire des sources de rayons X soit très large bande comme les synchrotrons, soit cohérentes comme les lasers à rayons X par électron libre, mais sur des distances de quelques millimètres. Donc à partir du moment où on fait des rayons X sur des dispositifs aussi petits, enfin, il y a quand même le laser derrière, hein, mais évidemment tout le monde est en train de rêver la capacité d'utiliser ensuite ces sources X pour faire de l'imagerie X par exemple, pour faire du traitement du cancer. Et quand je parle d'imagerie X, bon, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais ça aurait des avantages énormes par rapport aux bonnes vieilles sources X que vous avez tous chez votre radiologue ou radiothérapeute. Enfin, la technologie des sources X utilisées en médecine, c'est celle de Röntgen 1895. Améliorée, certes, mais c'est la même technologie. Là, on aurait des images avec une résolution, mais alors totalement incomparable. Les protons. On vient d'accélérer des électrons, on va se tourner vers Monseigneur les protons, qui sont des particules beaucoup plus lourdes, typiquement presque 2000 fois plus lourdes. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer des protons avec des lasers? Bon, là, on va y aller avec la bonne méthode brute. Vous prenez un laser le plus puissant possible, vous l'envoyez sur une malheureuse petite feuille de plastique de quelques microns, quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur, et puis il va se passer tout un tas de choses désagréables au point d'impact. En particulier, tous les électrons dans la zone d'interaction vont être à nouveau chassés complètement par le laser, partir vers l'avant. Ça va laisser derrière à nouveau un champ électrique très important et vous allez avoir une volée de protons qui va suivre ici. Ça, c'est un dispositif qui a été mis en évidence depuis une petite quinzaine d'années, qui porte un nom totalement barbare, donc on va juste l'appeler TNSA sans rentrer dans le détail. Bon, c'est un dispositif qui a donné lieu à énormément d'espoir pour aller créer des dispositifs de protonthérapie. Je parlais du cancer tout à l'heure. Bon, dans le traitement par radiothérapie, vous avez essentiellement des photons, X, vous avez un petit peu des électrons, et vous avez de temps en temps, pour certaines tumeurs particulières ou pour des enfants essentiellement, des protons, parce que les protons ont une propriété très bizarre très agréable par rapport aux électrons, c'est que vous êtes capable de contrôler exactement, quand vous envoyez un proton dans un corps humain, vous êtes capable de contrôler exactement à quelle distance il s'arrête. Mais vraiment, ce qu'on appelle le pic de Bragg pour les spécialistes, c'est vraiment bien caractérisé. Et donc, vous savez très bien que si vous avez une tumeur qui est exactement à 12 cm sous la surface de la peau, ben vous réglez vos protons à 120, je sais pas, je dis des chiffres presque au hasard, 123 MeV, et vous savez qu'ils vont s'arrêter à 12 cm. Donc, c'est parfait pour aller irradier des tumeurs sans aller endommager le tissu sain qui est derrière la tumeur. Donc, pour certains cancers dans la zone du cerveau, ça peut être extrêmement important. Vous avez un certain nombre de centres de protonthérapie sur la planète qui soignent plusieurs centaines ou milliers de patients par an. On sait très bien que le potentiel à l'échelle mondiale serait infiniment plus élevé que ça. Simplement, un centre de protonthérapie, c'est, pour donner des chiffres à la louche, c'est entre 100 et 400 millions d'euros. Il y a très peu de pays qui peuvent se permettre. Il y en a 1,5 en France, on va dire. Il y a des projets en cours. Mais si on était capable d'avoir un mécanisme qui, sur la base d'un laser, et qui soit beaucoup moins cher qu'un système actuel, permette d'atteindre le niveau d'énergie requise pour les applications médicales, avec toutes les contraintes annexes posées par les médecins, avec d'excellentes raisons, mais qui pour nous sont évidemment très compliquées à satisfaire, ce serait vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Bon, le problème, c'est que ce mécanisme-là sature pour des énergies de protons pas très importantes, enfin, en tout cas qui restent en dessous de ce dont les médecins ont besoin. Et donc on étudie maintenant d'autres mécanismes faisant appel à des lasers encore plus intenses. Et en particulier, j'aime bien ce schéma. Là, vous voyez ici, à gauche, sur ce mécanisme entre guillemets ancien, que le laser éjectait les électrons, puis les protons suivaient. Là, on ne fait pas dans le détail. Vous avez le laser qui arrive, et puis il pousse tout devant lui. Ions, protons, électrons, tout. Ce qu'on appelle le régime de piston, ça dit bien ce que ça veut dire. Et là, on devrait atteindre il faut des lasers un petit peu plus gros, mais on devrait atteindre le niveau d'énergie qui va bien. Je bascule sur maintenant des impulsions un petit peu plus longues, mais aussi plus énergétiques. Donc là, je vais commencer à parler en termes de gamme d'énergie de la centaine de joules, voire du kilojoule. Donc typiquement, des lasers presque de la gamme, enfin pas tout à fait, le LMJ dont je parlais tout à l'heure, c'est le cas extrême. Comme son nom l'indique, le mégajoule, c'est 1 million de joules. Bon, même des lasers énergétiques, en tout cas longs. Ce qui est amusant pour le laser long, c'est que, enfin, long, enfin,
comme tout à l'heure. Hein. Long, c'est la nanoseconde, c'est le milliardième de seconde. Mais en milliardième de seconde, vous avez une foultitude de choses qui peuvent se produire, tout un tas d'instabilités qu'on va pouvoir étudier en envoyant le laser sur, à nouveau, une matière relativement petite. Vous avez un plasma chaud qui va se créer en face avant. Et ce plasma chaud et ce laser vont appuyer sur la surface. Quand je dis appuyer, ce n'est pas appuyer un petit peu. C'est-à-dire qu'on est typiquement capable de créer des pressions avec ce genre de dispositif, des pressions qui vont de 10 à 20 jusqu'à 300 mégabars. Un bar, c'est la pression de l'atmosphère, donc 300 millions de fois la pression de l'atmosphère. Et on peut faire encore plus que ça. Les accélérations à la surface ici peuvent atteindre ce genre de chiffres. Bon, le chiffre en soi ne vous dira rien du tout. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est typiquement le chiffre que vous avez pour un électron qui serait au voisinage d'une étoile à neutrons, il serait accéléré de la même manière. Donc vous voyez que c'est quand même des chiffres un petit peu impressionnants. Et puis tout ça nous permet d'avoir accès à des états de la matière qui sont vraiment tout à fait époustouflants. Enfin, en fait, on a accès directement à de la matière qui n'existe qu'à l'échelle astrophysique. Ce que je vous montre ici sur ce diagramme qui est compliqué à expliquer, mais qui est une sorte de diagramme d'état généralisé. Ce que vous avez en abscisse, c'est la densité de la matière. Ce que vous avez en ordonnée, c'est sa température. Bon. Donc les plasmas peu denses et froids, ceux qui nous intéressent pas beaucoup ici, sont tout à fait en bas à gauche. Et plus vous allez à droite, plus vous allez avoir de la matière extrêmement dense. Et plus vous allez monter, plus vous allez avoir de la matière extrêmement chaude. Là, on retrouve quelques états. Enfin, typiquement, la matière à l'intérieur du Soleil suit une courbe ici, évidemment suivant par exemple la profondeur, qui est donnée là au plein milieu du schéma. L'intérieur des planètes géantes est plutôt par là. Nos lasers permettent d'atteindre des conditions qui ressemblent à ça, qui sont en gros dans cette zone ici, et qui incluent cette zone centrale qu'on appelle la matière dense et tiède. Qui est, en fait, quelque part, c'est un défi total pour les théoriciens, de la mesure où c'est de la matière qui est suffisamment dense pour être quantique et suffisamment chaude pour être un plasma. Donc là, on est juste en train d'accumuler la complexité de la physique du solide et de la physique du plasma, ce qu'on appelle la matière dense et tiède. Moyennant quoi, on a la possibilité, grâce à ce type de système, d'aller simuler en laboratoire des conditions qui n'existent que dans des objets relevant de l'astrophysique. Alors en fait, il y en a beaucoup que je ne pourrais pas décrire ici. J'ai juste pris le cas de deux qui ont été étudiés par certains de mes collègues à Bordeaux, et en particulier M. Xavier Ribière et M. Nicolai pour le plan expérimental, je vais y revenir. Le premier type d'objet qu'on sait étudier, c'est des grands jets astrophysiques qu'on appelle les objets de Herbig-Haro. C'est le cas de figure où vous avez un plasma, donc on va dire un gaz ionisé, qui est éjecté, mais qui est éjecté dans un milieu interstellaire qui est déjà rempli de gaz. Quel cas, vous avez un éjecta avec une sorte de choc à l'avant de l'éjecta. Ce qu'on appelle les objets Herbig-Haro, c'est extrêmement spectaculaire. Enfin, celui-ci est le plus célèbre. Ça, ce sont des photos du Hubble Space Telescope, je crois. Bon, évidemment, quand vous avez un objet Herbig-Haro, ce n'est pas très dynamique. Ça, c'est, enfin, pour vous donner l'échelle, le petit point blanc ici, c'est typiquement... Enfin, là, vous avez 1000 unités atomiques. Donc, ceci, ça vaut 1000 fois la taille du système solaire. Ces objets qui sont évidemment énormes et qui évoluent extrêmement lentement. Enfin, l'unité de temps, c'est 1 million d'années ici. Simplement, on est capable de refaire exactement la même physique. Enfin, je vais expliquer ce que j'appelle exactement la même physique, avec un laser focalisé sur une cible dans un gaz préexistant, ici du xénon, on est capable d'induire des jets dont le comportement est exactement similaire. Donc là, ce que vous avez, c'est une expérience menée par mon collègue sur le laser PALSE de Prague. Vous voyez le développement de ce jet vers l'avant et le développement de ce qu'on appelle le choc d'étrave ici, au moment où le jet vient heurter, si on peut dire, le gaz ambiant. Mes collègues ont également été capables, après de gros efforts numériques, de développer une modélisation où on retrouve la même chose avec ce choc en arc ici et puis le jet qui suit et qui arrive dans le milieu gazeux. Pourquoi est-ce que c'est pertinent de faire cette étude expérimentale? Ben, il se trouve que même si les ordres de grandeur en temps et en distance n'ont rien à voir, mais alors par désordre des ordres de grandeur, à nouveau, en temps, là-bas, tout à l'heure, on parlait de millions d'années, là, on parle de milliardième de seconde. Il n'empêche que la physique est décrite par un nombre qui s'appelle le nombre de l'heure de l'écoulement,
par un mode de refroidissement, et les deux sont rigoureusement identiques. Donc là, on est en train de simuler à petite échelle un écoulement astrophysique. Donc ce genre de question s'appelle l'astrophysique de laboratoire. Bon, c'est un petit peu un des thèmes en pleine expansion. Autre petit exemple, c'est la modélisation de la mécanique des fluides de l'explosion de certains restes de supernovae. Donc là, vous avez à gauche la nébuleuse du crabe avec sa forme bien connue et toutes ces microstructures compliquées à comprendre. Et en fait, si on regarde un petit peu la physique, vous avez à l'intérieur un plasma très dynamique, peu dense et chaud, qui va appuyer sur des couches superficielles de plasma beaucoup plus dense et froid. Là, on est typiquement dans le cas de figure, vous avez un milieu léger qui vient appuyer sur un milieu lourd. Il est bien connu depuis longtemps en mécanique des fluides que là, vous avez un développement d'une instabilité classique, qu'on appelle l'instabilité de Rayleigh-Taylor, qui donne lieu à ce genre d'oscillation de surface dans un premier temps, puis cette non-linéarité qui est malheureusement bien connue dans un autre contexte, non-linéarité en champignon, on va dire. D'abord, non-linéaire régulière, et puis on évolue vers une phase turbulente et le chaos. Donc là, en fait, on reproduit en laboratoire le mécanisme d'instabilité qui se produit ici dans la zone superficielle de notre nébuleuse du crabe. Alors, je ne pouvais pas, même si je change complètement d'échelle de phénomène, ne pas parler un tout petit peu de Curiosity. Curiosity, c'est ce rover qui a été posé par la NASA à la surface de Mars pour aller analyser tout un tas de choses, en particulier la composition des roches martiennes. Et alors, le petit cocorico, c'est que cette expérience sur Mars se fait sur la base de savoir-faire et de laser français, d'une grande société française bien connue, qui donc a construit un laser monté sur le rover. Ce laser va aller illuminer de la roche, créer un petit plasma de surface ici, qui ensuite est analysé. Et de l'analyse de la lumière émise par ce petit plasma de surface, on en déduit la composition de la roche. Bon, c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur que tout à l'heure, mais c'est aussi des lasers de l'extrême. Et je terminerai brièvement par une application. Alors c'est vraiment l'application phare sur laquelle vous avez déjà plusieurs générations de physiciens qui se sont cassés les dents. Mais nous sommes des gens obstinés, même ceux qui ne sont pas bretons. L'idée de base est de créer de l'énergie, non pas une énergie de type nucléaire, mais pas par le mécanisme habituel qui fait tourner nos centrales nucléaires, qui est la fission de gros noyaux d'un matériau qui est essentiellement de l'uranium ou un petit peu de plutonium, mais par un autre dispositif où on fait appel à des noyaux beaucoup plus légers, enfin les noyaux les plus légers qui existent, qui sont les noyaux d'hydrogène, plus précisément les deux isotopes de l'hydrogène que sont le deutérium et le tritium. Donc le deutérium, c'est un proton et un neutron à coller. Le tritium, c'est un proton et deux neutrons à coller. Et quand vous approchez l'un de l'autre un noyau de deutérium et un noyau de tritium à des distances de quelques millionièmes de milliardièmes de mètre, ce qui est quand même extrêmement compliqué, je vais y revenir, vous pouvez avoir une réaction de fusion nucléaire. Donc vous allez passer de ces deux noyaux d'hydrogène à un noyau d'hélium, et vous allez libérer un neutron, vous libérez un certain nombre de choses. Et ce mécanisme-là crée de l'énergie, libère de l'énergie. Tout comme, en gros, quand on casse de gros noyaux un gros noyau, ça crée deux petits noyaux et ça libère de l'énergie. Et inversement, de l'autre côté, vous fusionnez deux tout petits noyaux pour en faire un moyen, et ça crée aussi de l'énergie. Ce mécanisme est extraordinairement complexe à atteindre, parce que les noyaux, ils sont quand même chargés positivement, donc ils n'ont pas du tout envie de se rapprocher à des distances aussi petites. Donc il n'est possible de les faire se rapprocher que si on les met dans un plasma extrêmement chaud, auquel cas vous allez voir des collisions spontanées qui vont se produire, et de temps en temps, pendant une de ces collisions, vous aurez une réaction de fusion qui va se produire. Bon. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce que les plasmas sont extrêmement chauds. Un plasma qui est extrêmement chaud, c'est extraordinairement bon conducteur, et donc la chaleur qui est créée dans ce plasma a tendance à fuir à très grande vitesse, et auquel cas le plasma se refroidit, ça ne marche plus. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il y a plusieurs voies qui sont suivies en parallèle pour aller obtenir cette espèce de graal de la physique qui est la fusion contrôlée. Bon, il y en a deux grandes qui sont connues, qui sont la fusion par confinement magnétique, c'est tout le projet international ITER et l'implantation à Cadarache en France. La deuxième voie qui est un tout petit peu moins connue, c'est celle que je décris ici, qui consiste à prendre une microbille comprenant ces deux éléments d'hydrogène. Quand je dis microbille, c'est typiquement une fraction de millimètre ou un millimètre. Cette microbille, on espère pouvoir la mettre
au cœur d'un des très très grands lasers dont je parlais tout à l'heure, soit le NIF, soit le LMJ, focaliser tous les faisceaux à la surface de la microbille. Dans ce cas-là, vous allez, sur la superficie bleue ici, dans ce cas-là, vous allez créer tout un plasma qui va partir vers l'arrière et par effet fusée, la bille va imploser. Quand je dis qu'elle va imploser, typiquement, elle va être réduite d'un facteur 10 en taille, ça veut dire quand même un facteur 1000 en densité. D'autre part, tout à fait à la fin, la pression va atteindre des valeurs de l'ordre du gigabar, cette fois-ci, donc encore plus élevé que tout à l'heure. On va atteindre des températures de l'ordre de 10 à 100 millions de degrés. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, on enclenche des réactions de fusion thermonucléaire et cette onde de chaleur créée par la fusion va se diffuser et l'ensemble de la zone rose ici va fusionner en libérant de l'énergie. Donc l'idée serait d'avoir pour chaque microbille, de la comprimer en apportant environ 1 mégajoule d'énergie laser et de récupérer environ une centaine de mégajoules d'énergie sous forme thermique. Puis après, ça fonctionne comme d'habitude, un cycle thermodynamique, et on fait tourner des turbines et ça fait de l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été proposé il y a déjà bien longtemps. C'était proposé dans un célèbre article d'un Américain qui s'appelait M. Nichols en 72. Ça fait 40 ans qu'on est en train de courir après ça. Ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas. Ça fait 40 ans qu'on fait des progrès quand même. On n'est pas du tout sûr. Enfin, il y a plusieurs versions, plusieurs options possibles. On ne sait pas exactement quelle sera la bonne. Mais c'est une physique qui continue à intéresser énormément, qui est suivie en parallèle de la voie magnétique, qui est un petit peu quand même la voie dominante aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Voilà. Alors, je voudrais maintenant conclure sur deux choses. D'une part, par un petit peu une réflexion que je voudrais partager avec vous sur le métier de chercheur et de physicien. On va dire que c'est plus précis sur la physique. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche ? Première réponse évidente, on cherche à comprendre les lois générales de la nature qui nous entourent. Le seul petit problème, c'est que les lois générales, elles sont quand même relativement bien connues pour tout un tas de choses. Alors, ce n'est pas complètement vrai. En particulier, il y a beaucoup de problèmes physiques qui sont extraordinairement complexes, donc on essaie toujours de comprendre. Mais quand même, maintenant, on sait comment fonctionne un arc-en-ciel, on sait qu'on connaît la mécanique quantique, on connaît la mécanique tout court, enfin, on connaît quand même beaucoup de choses depuis un petit moment. Ici, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Enfin, si, un petit peu, on essaie de comprendre la physique dans des objets vraiment très éloignés, typiquement astrophysiques, comme j'ai montré tout à l'heure. Mais c'est bien, mais c'est pas vraiment la démarche centrale. Une autre démarche qui est très courante en physique, c'est d'aller marier la physique avec d'autres disciplines, en particulier marier la physique et la chimie. Ça, c'est vrai depuis les origines. Mais aller marier la physique et la biologie, aller marier la physique et la médecine. Il y a beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus. C'est pas ça qu'on fait ici. Ce qu'on fait, c'est vraiment une troisième voie qui existe déjà dans d'autres domaines, qui est de créer des instruments qui portent la matière à un état qu'on ne connaît pas, en tout cas dans notre monde traditionnel, et après, aller étudier cette matière exotique, puis une fois qu'on l'a étudiée, essayer de voir si on ne peut pas revenir et en trouver des applications intéressantes, pour le coup, y compris dans notre monde quotidien. C'est vraiment ça. C'est la démarche qui a été suivie typiquement depuis 60-70 ans dans la communauté de la physique des particules. Donc là, j'ai montré une photo d'un des tunnels du CERN à Genève, à nouveau. Vous voyez qu'on a fait appel à de très grandes machines qui vont permettre de sonder les constituants les plus élémentaires de la matière, les forces les plus élémentaires. Ici, en fait, on s'est complètement engagé dans la même démarche. On crée des lasers qui sont de plus en plus gigantesques. C'est pour ça que je fais le parallèle entre la photo d'un hall du LMJ et une photo d'un hall du CERN. Avec ces instruments qui sont de plus en plus gigantesques, on porte la matière à des états de densité, d'accélération, de pression, de température, de beaucoup de choses qui sont totalement en dehors de notre sens commun. On étudie ces phénomènes-là, et puis après, on regarde si on ne peut pas revenir, utiliser des protons qui seraient accélérés pour la médecine, utiliser des rayons X pour aller diagnostiquer des pièces métalliques lourdes, utiliser tout un tas de choses comme ça. En regardant si par hasard, grâce à ces dispositifs, on ne pourrait pas trouver des voies qui sont des voies complètement originales par rapport à des technologies traditionnelles. Et pour terminer, j'ai signalé que le dernier père survivant du laser était décédé la semaine dernière, M. Charles Stones. Dans le livre que nous vous avons montré tout à l'heure, il y a une préface qui avait été rédigée par Charles Stones avec cet humour qu'autorise le très grand âge. Donc ça veut dire que la préface elle avait été rédigée par M. Charleston à 95 ans quand même.
Alors je voudrais, si vous, ça ne vous dit pas, vous lire trois petits extraits que j'adore personnellement. Les deux premiers, parce que ça donne quand même une certaine humilité, même pour les plus grands chercheurs. Donc il raconte son processus, enfin, ses travaux à l'époque où il était en train de travailler sur cette petite ancêtre du laser qu'est le maser. Et donc il raconte que son directeur de laboratoire et son prédécesseur, le professeur Kusch et le professeur Rabi, c'est un des très grands noms d'optique aussi, enfin, prix Nobel de physique, enfin, c'est vraiment un très très grand nom, vinrent me trouver dans mon laboratoire. Charlie, cela ne va pas marcher et tu le sais, tu gaspilles l'argent du département, il faut arrêter. Je n'étais pas d'accord, ils repartirent très contrariés. Comme quoi on peut être prix Nobel et se planter complètement. Et je parlais de prix Nobel, là je vais encore passer à la gamme au-dessus. En Europe, donc, il parle d'une visite qu'il a faite à Paris, puis en Allemagne quelques mois après. En Europe, je rencontrais Niels Bohr et au cours d'une promenade, il me demanda sur quoi je travaillais. Je lui parlais du laser à ammoniac et de la fréquence d'oscillation ainsi produite. « Non, ce ne peut être vrai, dit-il, vous devez vous méprendre. » Niels Bohr, c'est une légende de la physique. Niels Bohr, c'est le monsieur qui a compris essentiellement ce que voulait dire la mécanique quantique. C'est pour nous, enfin, je sais pas, à part peut-être Albert Einstein, mais il n'y a rien au-dessus de Niels Bohr. Et pourtant, il se plantait complètement, il ne comprenait pas, pourtant il avait quelqu'un qui était en train, devant lui, d'inventer le laser, il ne comprenait pas que ce soit possible. Et enfin, donc ça c'est vraiment à prendre comme leçon d'humilité, je dirais. Et enfin, petite citation, « L'histoire du laser est l'exemple parfait de l'impact de la recherche fondamentale, non seulement sur la science, mais sur l'économie, impact ô combien spectaculaire, mais souvent complètement inattendu. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, quelques uns s'en vont parce que c'est vrai qu'il est un petit peu tard, là, ce soir. Il est 10h15. Mais je pense que vous avez tout compris. Malgré tout, vous avez quelques petites précisions à poser, quelques petites questions à poser. Oui, oui. Donc, on vous donne le micro tout de suite. Julie, voilà. Merci. Oui, allô ? Oui. Ça s'entend ? Merci beaucoup pour cet agréable exposé. Comment dire ? Vous êtes scientifique, monsieur ? Ah bon, j'ai fait des études scientifiques, mais je ne suis pas spécialiste. D'accord. Et j'ai pu à peu près suivre votre exposé, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est un travail de vulgarisation étonnant. J'avais quand même deux questions concernant votre exposé, et ça concerne surtout la partie du début. Vous avez parlé des lasers naturels qui se produisent naturellement et dans l'univers, dans certaines conditions. Et tout de suite après, vous nous avez raconté comment on produit, nous, artificiellement, les lasers, c'est-à-dire en utilisant le milieu amplificateur, puis des miroirs qui vont faciliter l'émission stimulée et tout ça. Comment ça se passe dans les lasers naturels dont vous nous avez parlé tout au début de votre exposé ? Ça, c'est la première question. Et on la va deuxième... peut-être répondre déjà à cette question en essayant d'être assez bref, si vous pouvez. Bon, alors, les lasers naturels, c'est quand même vraiment des exceptions. Par contre, il existe des lasers pas naturels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effet-là se produit essentiellement quand vous avez quelque part une dissymétrie dans votre milieu. Supposez que vous ayez un milieu qui soit parfaitement sphérique, ben, il n'y a aucune raison qui va vous conduire à avoir plutôt une émission qui va se produire dans un sens ou dans un autre. Par contre, si vous avez un milieu qui se trouve avoir une forme de cigare allongée, là, spontanément, les photons qui vont partir sur le côté ne feront pas grand-chose. Par contre, les photons qui vont partir dans une direction par hasard au début du milieu, eux, ils vont donner lieu à un effet en cascade qui va pouvoir se continuer le long de la colonne. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'un certain type de laser dont je n'ai pas parlé, qu'on appelle les lasers plasma à extrême ultraviolet, où en fait, on ne sait pas faire des miroirs, donc on oublie le côté cavité. Par contre, on prend une surface, on crée un plasma en ligne sur plusieurs millimètres et on voit un effet laser qui se développe dans ce sens-là. Et la deuxième question, très courte, et vous nous avez parlé aussi de comment mesurer
la durée des impulsions, vous faites quand même le lien entre l'espace et la vitesse de propagation de la lumière. Et donc, et vous nous avez raconté aussi qu'il y a des impulsions qui sont tellement courtes que les longueurs dans lesquelles on peut les mesurer sont extrêmement courtes aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus des techniques qui sont utilisées pour les impulsions très très courtes? Bon, on va séparer rapidement les impulsions laser les plus courtes dont je parlais, qui font quelques femtosondes. C'est jamais que des extensions de la méthode. Simplement, vous avez besoin d'un contrôle mécanique à l'échelle de quelques nanomètres, ce qui se fait. Techniquement parlant, c'est un peu pointu, mais ça se fait. Après, donc, j'ai parlé du record absolu dans un autre domaine spectral qui est l'extrême ultraviolet, donc avec environ 65 attoseconde. Alors là, pour le coup, c'est vraiment toute une technologie complètement à part qu'on a été amené à développer pendant pas mal d'années, où on va en fait aller croiser une impulsion laser déjà courte, une impulsion extrême ultraviolet ultra courte, on va les croiser dans un milieu d'électrons et on va voir comment ensemble elles arrivent à arracher des électrons ou pas, et les électrons une fois arrachés, dans quel sens ils vont aller. Le fait que l'impulsion laser, elle a un cycle optique, une durée d'oscillation qui est 2,5 femtosecondes, c'est très lent par rapport à ces impulsions de 65 attosecondes. Et donc, tout se passe comme si le laser infrarouge était presque figé au moment où arrive l'impulsion ultraviolette. Et donc, en suivant après la dynamique de l'électron ionisé par l'impulsion ultraviolette, qui donc se retrouve dans ce laser quasiment figé, puis qui va évoluer doucement, vous suivez la vitesse acquise par l'électron à la sortie, et vous êtes capable de remonter quasiment exactement au profil de l'impulsion optique. La précision avec laquelle vous faites ça vous donne votre durée d'impulsion ultraviolette. Ça va ? Bon. Où êtes-vous ? À vous, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question sur ce dont vous parliez pour la protonthérapie. Vous disiez qu'on allait on commençait par arracher les électrons et qu'ensuite les protons allaient suivre. Et que l'intérêt, c'est qu'avec les protons, on pouvait définir précisément la profondeur, la profondeur à laquelle ils allaient arriver. Ma question, c'est quid des électrons ? Puisqu'il y a les électrons qui sont passés avant, est-ce que eux, on peut contrôler leur profondeur également, ou est-ce qu'on les arrête et comment on les arrête? Merci. Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des expériences où on fait exprès d'accélérer des électrons, mais plutôt avec l'autre méthode dont je vous ai parlé, l'accélération par sillage, une méthode qu'on sait parfaitement contrôler, et donc on pourrait tout à fait imaginer, j'ai des collègues qui le font, faire du traitement par des électrons accélérés par laser. Il se trouve que les électrons n'ont pas cette propriété un peu magique des protons, mais ils ont des propriétés qui, d'un autre point de vue, sont un peu meilleures que celles des photons, et il y a des collègues qui sont en train de gratter de ce côté-là. Après, les électrons qui sont produits effectivement au début du mécanisme d'accélération par protons, ben ceux-là nous gênent plus qu'autre chose. Enfin, ils ne nous gênent pas très longtemps, parce qu'on met le moins de petits aimants et ils partent de côté, alors que les protons, ils continuent tout droit. Donc ceux-là, ça, c'est... en gros, on les envoie dans une petite gentille poubelle à électrons. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est d'abord une remarque. Votre accélération avec les histoires des bulles, ça m'a fait penser au phénomène de la cavitation sur les hélices des bateaux, où c'est pareil, il y a une bulle de vapeur qui se forme et quand elle se contracte, ça fait un jet qui attaque l'hélice. Et du coup, quand vous parliez de la fusion aussi, bon, on a bien vu que vous faites des choses à des échelles très très petites, mais qui permettent des choses énormes. Est-ce qu'on plutôt que de faire l'approche par le laser mégajoule, qui est une machine énorme, on ne pourrait pas envisager des choses au niveau de la fusion, mais sur des beaucoup plus petites échelles et avec le bénéfice de ces énergies énormes? Alors, oui, on peut envisager des choses. Et il se trouve même que j'ai travaillé, il y a une petite dizaine d'années, sur un processus extrêmement amusant, où en fait on envoyait notre laser, cette fois-ci sur des agrégats. Donc ces agrégats, c'est une espèce de petite boule de matière comprenant de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'atomes. Donc vous aviez un jet d'agrégat. Sous l'effet de l'impulsion laser, à nouveau, les électrons de cet agrégat étaient arrachés.
Donc l'agrégat se retrouvait sous forme d'une petite boule chargée positivement. Ça explosait de manière principalement colombienne, pas que colombienne, mais principalement colombienne. Donc simplement sous l'effet des charges positives, ça explosait. Et puis les ions issus de l'explosion d'un agrégat venaient rentrer en collision avec les ions issus de l'explosion de l'agrégat d'à côté. Donc collision, formation d'un plasma. Et donc on avait mesuré à l'époque des températures de ces protons qui étaient aux environs d'un milliard de degrés. Bon, c'est un milliard de degrés pendant quelques picosecondes. Dans un milieu relativement peu dense, on voyait très bien beaucoup, jusqu'à 10 puissance 5, enfin 100 000 ou 1 million de neutrons signant chacun une réaction de fusion élémentaire. Donc c'est très intéressant sur le plan de la physique. Puis on était intéressé aussi par la possibilité d'avoir du coup une source de neutrons qui soit parfaitement bien définie en temps, au moins au départ. Ceci dit, en termes de production d'énergie, on est très loin des conditions dans lesquelles, quelque part, vous vous rendez bien compte que pour réussir à créer de l'énergie, il faut réussir à enclencher quelque chose qui s'auto-entretient un tout petit peu. Bon, il y a un critère physique qui s'appelle le critère de Lawson qui nous dit à partir de quand on va obtenir cet auto-entretien et donc on va obtenir plus d'énergie à la sortie qu'à l'entrée. Et avec ce genre d'autres méthodes, on est très loin du critère de Lawson. Donc c'est intéressant sur un plan fondamental. Par contre, en tant que espoir de création d'énergie de fusion, on en est extrêmement loin. Une autre question. Justement, dans le même domaine de la recherche sur les particules au CERN, les installations futures prévoient-elles justement d'utiliser des lasers à la sortie des différents accélérateurs pour justement avoir un effet plus profond dans la matière, quoi, pour détecter, mettons, d'autres interactions, d'autres particules, etc., quoi. Non, ça reste très largement à l'état de, j'allais dire, de recherche, quoi. De recherche vraiment sur la machine pour l'accélération. Aujourd'hui, quand même, ce qui se passe au cœur d'un accélérateur, c'est accélération, mettons, d'un électron dans un sens et d'un anti-électron, ce qu'on appelle un positron, dans l'autre. Ce sont deux objets élémentaires. Enfin, deux paquets d'objets élémentaires. Au moment de la collision, c'est évidemment frontal, un contre un. Et au moment de la collision, vous avez tout un tas de particules extrêmement fugaces qui sont créées. Il peut y avoir une autre gamme d'expériences où vous allez rentrer en collision un paquet d'électrons et un laser. Ça sera essentiellement pour créer des rayons X, parce que les photons vont, entre guillemets, rebondir sur les électrons. Et quand ils rebondissent, ils se retrouvent, entre guillemets, accélérés pour des photons à l'état de rayons X ou de rayons gamma. Mais ça, c'est une problématique qui est un petit peu différente. Ce qui se passe réellement, c'est vraiment, ça reste de la recherche sur les lasers, les catégories de lasers qui pourraient être à la fois assez performants, assez efficaces. Quand je dis efficace, c'est un rendement à la prise pour créer une machine d'accélération qui n'engloutisse pas tout le budget de la planète et qui puisse permettre de dépasser les limites actuelles. On en est vraiment encore extrêmement dans une phase amont. Oui, alors, il y a des questions jusque là-haut. Qui est-ce qui s'y colle ? Audrey, vas-y. C'était l'accélération d'Audrey, là. Ce n'était pas une accélération de particules. Moi, avec votre conférence, j'ai plutôt l'impression que vous nous avez montré des lasers qui sont visibles, à l'œil nu, peut-être, je me trompe, hein, qui sont très, très chauds, et qui font des petits trous ou des gros trous. Le petit problème, là où mon élément de surprise, c'est qu'en fait, des lasers, vous nous avez dit que c'était habituel depuis très très longtemps, ben c'est bien facile, il suffit de mettre un disque laser pour écouter de la musique, et on a une sorte de lumière laser qui ne fait pas 5000 degrés, et qui permet juste de lire. Donc est-ce qu'on peut encore aujourd'hui inventer des lasers qui ne font pas... plusieurs milliards de degrés, des petits trous et des gros trous. Est-ce qu'on pourrait faire des lasers qui permettent de sculpter, d'agréger des poudres métalliques, par exemple, pour fabriquer des vis ? Enfin, c'est ridicule, mais bon. Non, c'est pas ridicule du tout. Alors, déjà, un laser en tant que tel, la lumière n'a pas de température. On peut parler d'un laser chaud ou d'un laser froid. On peut parler de la matière qui est illuminée par le laser qui devient plus ou moins chaude. Là, oui. Mais le laser en tant que tel, il n'y a pas de notion de température. Ensuite, effectivement, on peut parler beaucoup de trous, si vous voulez, dans la mesure où, effectivement, au point focal du laser, généralement, ça ne reste pas très solide très longtemps. Mais, justement, ce processus-là peut aussi, si vous le voulez, être utilisé dans sa capacité de fusion. Là, vous parliez de poudre.
Bon, vous savez très bien qu'un des grands sujets technologiques chauds, sans mauvais jeu de mots, c'est l'impression 3D, qui en fait est à l'étude dans les laboratoires, y compris français, depuis beaucoup plus de temps qu'on en parle dans le grand public. Et une des modalités de l'impression 3D, c'est bien d'envoyer une sorte de jet de poudre, de perlimpinpin à base métallique, de le chauffer par une des technologies laser les plus anciennes, qui sont soit le CO2, soit les laser YAG, de façon à aller porter ces micro-grains métalliques à un état de fusion simple, une fusion comme un métal fond. Et ce métal fondu vient après remplir, on va dire, le volume d'une pièce qui aura été définie par ordinateur, ce qui permet de faire des pièces qu'on ne saurait pas faire en bloc par des méthodes de mécanique traditionnelle. En particulier, on peut faire des pièces creuses complètement, sans la moindre soudure. Donc ça, c'est tout le domaine de l'impression 3D, effectivement, dans les métaux. C'est un des domaines qui sont le plus regardés dans ce qu'on appelle les plans d'usine du futur. Il n'y a pas énormément de développement laser proprement dit, parce qu'il se trouve que assez largement, on a déjà les lasers qui vont bien pour ça, sans grosses difficultés. Donc c'est plus un problème de métallurgie qu'une question de laser aujourd'hui. Ça y est, plus de questions. Vous savez tout. Vous savez que vous pouvez réviser. Hein. Vous pouvez réviser à partir de demain, après-demain, enfin dans la semaine en tout cas, en revoyant la conférence de Philippe Balcou sur le site de l'Espace des Sciences. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu en Bretagne ce soir. J'ai vu les yeux de votre maman. Je sais qu'elle est très fière de vous et elle a raison. Merci, merci très, très chaleureusement. C'était un plaisir. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, hein, même heure, même lieu, pour parler des sols hein, et des dangers qui les menacent. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Je vous rappelle le Café des Sciences jeudi. Et je voudrais remercier toute l'équipe, Franck, Gwen et Vincent, qui étaient à la régie vidéo pour enregistrer cette conférence. Thomas et Jean-Paul, qui étaient à la régie son et lumière des champs libres. Et puis merci aussi à Julie qui m'aide à préparer ses conférences et à Audrey qui vous a passé les micros. Bonne soirée, bonne nuit. Merci de votre attention et à la semaine prochaine, j'espère. Bonsoir.